présenté par Prosciutto. Yeah. Wow, comment expliquer ça? Écoute, temps d'un jujube fini, 3-4 mois après, ça recommence. Là, Adamo, italien, québécois, c'est Marinacci Perugino. Yo, shout to my grandfather, man, RIPM. Shout to the whole family. On reprend le temps d'un jujube. Quand j'ai passé au temps de jujube avec Adamo, j'ai vu les commentaires. Merci à tout le monde qui ont dit « DJ Crown, on veut un part 2, on veut un part 3. » Truie. Ouais, ouais, truie. Mais tu veux un part 3, tabarnak. Moi, vous êtes cochons comme ça, les gars, je vous connais. Bon, maintenant, on reprend le temps de jujube. C'est sérieux. Je suis fucked up aujourd'hui. Parrain du hip-hop québécois. Yeah, said it. On est fucked up! Classique. Tu vois, c'est ça que je t'explique. It's a classic. Parrain du hip-hop québécois, SP, sans pression, dans le fucking building. Classic, 25 years in the game, no cap, no rubber. C'est le temps d'un jujube. Je peux pas oublier mon co-host, man. J7, this guy put me on spot, put me on place. That's I used to rub phone. Okay, we're gonna keep that. We gonna keep that shit for another episode. Oh shit, fait qu'on reprend. Le temps de jujube est back. DJ Crowd, J7, SP, sans pression. Cucinati Papa, shout KM. We in a fucking building. Nicole, shout to Nicole. On se check dans l'entrevue. Bon, wow, aujourd'hui, SP, sans pression, monsieur qui est là dans le game, ça fait au moins 25 ans, monsieur qui fait jamais d'entrevue, one of my best friends, yo. C'est légendaire, c'est historique. Historique. Un icône du rap québécois, du rap canadien, the one and only SP. Temps des jujubes, right? Ben oui, bon, c'est man. Okay. Get it. Oh, okay, let's okay. Get it. Yo, il arrive okay, direct tu... avec les temps. OK, hein? Speed, tu veux-tu commencer avec le... Oh, le challenge? Le challenge. Toi, tu commences toujours. The spicy one. Yeah, man. T'es-tu moi, un gars qui mange des épicés? Ce que ça veut dire, SP, c'est sauce piquante. Ben ouais, man, lui, c'est sauce piquante. Ah ouais, OK, je commence. Ah, c'est sauce piquante. Mais ouais, des fois, il fait son riz, là, avec la sauce rouge, c'est comme... Même les staff, ils capotent. C'était quoi? C'était un ours, ça? Ça, c'est un os, ouais. C'est yo, chante au Frère de Feu, chante à Sosa Gold. Ben ouais. L'album de Spi, Vagabond Religion, all of them. Ben ouais, c'est ça. Là. Sur 10, combien tu le rates? Yo, moi, ma mère, fait du pili-pili every day, man. Hey, tu vas lui donner un 2, genre. Ça, c'est comme. Chante. Ça me fait penser à quand je suis dans le Nord, man. C'est du moins 40. Ben non, je niaise à faire fire, man. J'ai la gueule en feu. C'est bon, man. Fait que là, on va commencer. Bon, attends, man, j'ai encore la chaleur dans ma job. Non, mais man. Ça va ôter ta chaleur, c'est justement, c'est 8 block a zone. You gotta take it easy, man. Ça c'est pas fort, là. C'est comme. Comment? Ok. Ouais, gars, ouais, des ouais. Papas, ouais t'en il est chaud le jujube, man. Le il show est chaud. Yo, gros shout out aux Frères de Feu, you know what I mean? Keeping it hot out here. Autant les Frères jujube. De Feu, man, c'est eux autres qui ont. Ben ouais, yeah. Man, c'est eux autres. Ouais, ils ont les sauces. Il va falloir tout. Appeler la prise, là, because the bag is getting low. Ouais, hein, la prise. low. Yo, so, man, bienvenue à l'émission, for real. I think it's time. Je pense qu'il faut qu'on fasse le traditionnel cheers. Attends, là. Il l'a pas eu, là. Good? Ouais, il l'a. Ça va ôter le piquant, t'inquiète, t'es bon après. Ouais, ça, c'est pour enlever le piquant. C'est pas fort. Cheers, là. Cheers, les gars. Yo, ça, c'est de la gomme bazooka, ouais, pour tout ce que ça ouais. Se passe. C'est une pour gomme moi, bazooka. C'est ça que ça goûte. Mm. Chante aux Frères de Feu, allez, couple merch sur le site internet, puis tout. Mm-hmm. Yo, ouais. Ça, c'est-tu bon pour les dents, le sucre, tout ça? Il faut brasser ses dents c'est quand on très mange. Bon pour les dents. J'entends jamais personne parler de brasser leurs dents après de manger des jujubes. Mm. Yo, c'est hein? Vrai, man, c'est vrai, bro. Brassez vos dents, man, après avoir mangé des jujubes, man. Bande de renseurs.
Brossez vos dents, c'est Major Way. Major Way. Bon. Tellement d'histoires. Je ne sais même pas par où commencer avec lui, man. Il y a tellement une historique de feu, là. C'est difficile, man, avec un gars. On commence tout du début? Qui a le parcours qu'il y a, man. Tes parents sont nés où? C'est quoi un peu l'histoire? Comment vous êtes déplacés, genre? Du début, mettons? Ouais, mes parents. Moi, je suis d'origine RDC, République démocratique du Congo. Mes parents sont nés au Congo. Mes grands frères sont nés au Congo. Mm. Mon père, c'est un guerrier from day one. Mm. Le monde ne savent pas, mon père, il est parti de chez eux à l'âge de... Charlotte à mon père. Il est parti de chez eux à l'âge de 10 ans, genre. Puis il a dit que je vais réussir, je vais réussir. Longtemps, puis il a étudié, il a travaillé fort. Il voulait nous offrir une meilleure vie. Moi, je suis né aux États-Unis. Je suis le troisième de 5 enfants. Mm. Je suis né aux États-Unis à Buffalo, New York, en 1976, le 4 octobre. Fait que vous êtes déplacé comme de, j'imagine, du Congo, d'Afrique, jusqu'à ouais. New York, Buffalo, right? C'est ça, on est parti du Congo, je n'étais pas encore né. Moi, je suis né quand on était déjà à New York, à Buffalo, tu sais. Tes parents t'ont-tu parlé comme la transition d'Afrique à New York quand même, là, de Big Apple, comme c'était fucked up? Ou... Ouais, mais là, c'est New York State. Pour ce que je me rappelle, pour vrai, c'est comme... Quand mes parents me parlent des États-Unis, c'est que c'était vraiment, vraiment ghetto. You know what I'm saying? Les histoires que mon père... Comme mon père m'a déjà conté une histoire qui a demandé aux voisins de baisser le volume. Puis, tu vois, les voisins l'ont rentré dans la maison, puis ont foutu un gun sur la tête, tout ça. Puis, il arrivait de l'Afrique, tu sais, il pensait que, tu sais, lui pensait qu'ici, c'était. You know what I'm saying? C'était, ouais, il est arrivé, là, où est-ce qu'il fallait qu'il soit, tu sais. Il y a peut-être eu des illusions, tu sais, en arrivant ici. Il y a eu beaucoup d'illusions, mon père, sur ici. Tu sais, parce que. Il est venu pour nous offrir une meilleure vie, tu sais, puis comme on est tous tombés dans des affaires marginales un peu. T'sais, j'ai un grand frère que lui était plus dans les affaires street. J'ai un autre grand frère que lui était plus révolutionnaire, misogyne, plus... Il était aussi dans la musique aussi, right? Pro-black activiste. Mais comme la transition, ça a été quand même dur parce que mes parents, quand on est arrivé aux États-Unis, moi, quand je suis né, ils m'ont forcé de parler en anglais. Tu vois, puis ils disaient à mes grands frères de me parler en anglais pour que ça soit plus facile pour moi. Puis mes grands frères au Congo, c'était ou bien c'était le français, ou le swahili, ou le lingala, ou le chiluba. Mais comme quand on est arrivé aux États-Unis, mes parents, ils disaient à mes grands frères de me parler en anglais. Puis j'étais jeune, c'est comme ça que j'ai commencé en anglais. Okay. Puis après, la transition, quand on est c'était trop fou aux États-Unis, mes parents ont décidé de déménager au Canada. T'avais quel âge à ce point-là? J'avais peut-être... 10? Non, j'avais... Au Canada, j'étais arrivé à peu près à 5-6 ans, peut-être. OK. Mais j'ai vu qu'à Buffalo, New York, me semble, t'étais comme première page d'un journal. Ouais. Une naissance ou quelque chose. Ouais, parce que quand je suis né, tu sais, j'étais déjà... I was on the front page from day one, non? Comment ça? Yeah. Bro, I saw it from my eyes, bro. Si tu vas dans le journal de New York, Buffalo, 1976, tu sais, parce qu'avant, quand une femme accouchait, ouais. Les grands frères, puis les grands frères, puis les sœurs, the siblings, ils n'avaient pas le droit de voir l'enfant à cause des maladies, puis les infections. Okay. Moi, je suis le premier bébé aux États-Unis que les grands frères y avait le droit. Fait qu'il y a une photo de moi dans l'incubateur. Arrête donc. T'as mes deux grands frères en train de me regarder. On the front page. Okay, that's crazy. Du journal de Buffalo, New York. Dans les journaux, from day one. Il y a une photo de ça, man. J'ai ça quelque part, man. Mais c'est ça. Yeah. OK, fait quand t'es arrivé ici au Québec, t'étais plus anglophone, dans le fond. Ouais, j'étais anglophone, puis là, ça a switché. Là, j'étais arrivé au Québec, puis au Québec, la loi, c'était qu'il fallait que tes enfants aillent à l'école dans la langue où est-ce que. Je pense qu'il y a encore cette loi-là. C'est peut-être ça encore. Ouais. Puis là, ça a switché. Là, il fallait que j'apprenne le français. Puis là, c'est quand je commençais l'école. Shit, OK. Ça, c'est là, où t'es arrivé? Sherbrooke, right? Yeah, là, je rentre. Je suis arrivé à Sherbrooke, puis j'ai... Première place au Canada, Sherbrooke. Ouais, première place, c'est Sherbrooke. Puis la transition a été dure aussi, là, parce que
j'étais de all black à all white, tu comprends? C'était que des blacks, même le directeur de l'école, les professeurs, c'était tout black à Sherbrooke, là. Comme tu regardes les photos de mes grands frères à l'école à Buffalo, New York, c'est all black. OK, c'est ça, tu parles. Au States, c'était all ouais, black, States. À Sherbrooke, c'était all white. Ouais, puis là, je suis arrivé à Sherbrooke, puis j'étais le seul noir. Anglophone. Ça doit être fou, ça, pareil. Back then. C'était comment? C'était hard, man. C'était hard parce que mes grands frères, tu sais, ils se battaient souvent, tu sais. Comme le monde pense que, tu sais, comme c'était chill il y a 40 ans au Québec, il y a 20 ans. Yo, il y a 20 ans, là, un black qui sortait avec une blanche puis qui se promenait dans le street, tu te faisais battre. Ah, c'est la grosse affaire. Moi, mes parents voulaient pas que j'aille à Saint-Jean. Tu sais, quand c'était le 24 juin, mes parents voulaient pas qu'on sorte dehors. Tu comprends? Ouais, yeah, man. When I was young, we weren't allowed to go outside when it was like. Il y avait peur que. Ouais, man, mais c'était ça. Il y avait raison d'avoir peur. Tu sais, moi, quand j'allais dans les affaires de Saint-Jean, je me faisais dire de retourner en Afrique and all that crazy shit. C'est fou, pareil. C'était ça. Ça fait pas si longtemps que ça, là, you know? Ouais. Fait les transitions, ça a été dur, mais c'est comme tout mon primaire, ça a été dur. J'ai doublé ma première année, troisième année, sixième année. Ça, c'est encore à Sherbrooke, ben, right? C'est normal, primaire, c'est à Sherbrooke. La langue. Primaire, j'ai commencé mon primaire à Sherbrooke, maternelle. Puis ça, après ça, vers 10, 11 ans, c'est là que j'ai déménagé à Ville-la-Salle. OK. OK. Puis à Ville-la-Salle, c'est là que l'hip-hop a commencé, l'hip-hop. Okay, je dirais même 8 ans. 8 ans à Ville-la-Salle. 8 ans à Ville-la-Salle, OK, yeah. C'est bon. On n'entend pas souvent parler that's some exclusive ouais, shit, le temps de juger. Non, mais la salle. Souvent, on entend du Saint-Bruno, des choses comme yeah. ça. Mais... Ville-la-Salle, c'est là que j'ai commencé mon hip-hop. Texas, le Salle. J'habitais sur le 1303 rue Daigneault. 1303 okay. Daigneault. Wallet Park Posse. Shout-out à tous mes gars de Wallet Park Posse. Okay. Michimi Avenue au parc, man, you know what I'm saying? OK, là, shout-out to Michimi, Tida. Back then, le monde ne savait pas, mais Montréal... Le monde ne savait pas, mais back then, Montréal était plus hot que Tida. 100%. C'est vrai, ça. Fait que gros love, man, puis... Fait que toi, t'as grandi à la salle, vraiment, quand que... Puis là, c'était anglophone. Tu commences... Tabarouette, OK, ça changeait. Fait que là, j'étais anglophone, j'allais à l'école française, mais je chillais avec des Jamaïcains, puis des Grecs, puis du monde anglophone. OK. Puis j'étais comme le mouton noir de la clique tout le temps, tu sais. Parce que les Jamaïcains, c'était comme les francophones. J'étais le seul, you know what I'm saying? So, that's what it was, man. Mais all of that, c'est ça qui fait ma musique aujourd'hui, cause c'est un mix de tout tiré, ça. T'as tiré de toutes les expériences. Je pense que ça vient de là, le franglais from back then. Ouais. It was meant to be, like, it was franglais from day one. Puis c'était quoi les premières tunes hip-hop que t'écoutais, les premières choses qui t'ont vraiment fait fall in love avec le hip-hop? Moi, c'est mes grands frères. Moi, c'est Eric B. Rakim. You know what I'm saying? C'est sûr, Big Daddy Kane. Ouais. Big Daddy Kane, c'était comme mon idole, man. J'avais les mêmes cheveux que lui. T'avais le high top face. Je faisais les high top. Puis Public Enemy. Mais là, je vais loin, là. You know what I'm saying? Oh, ouais. Mais on parle de ça, les débuts. But the thing is that I started off with breakdance. Avant de rapper, j'ai fait beaucoup de breakdance avec mes grands frères, tu sais. Puis le breakdance, c'était Grandmaster Flash. Comme j'étais là dès le début du hip-hop, quand l'hip-hop a commencé, quand l'hip-hop est né, j'étais là, comme mes grands frères étaient dedans, j'étais un petit, I was a little worm in that shit. Un petit vagabond ma religion, yeah, quoi. Yeah. Make some noise for the guy himself, Esti, sans pression, vagabond ma religion! Major one! Yo, c'est quand même beau d'entendre les débuts comme ça, man, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On est parti d'Afrique, à Buffalo, à la salle, après la salle. C'est ça, là. He got into the hip-hop, Big Daddy King. Mais la salle, j'ai fait du breakdance, man. Puis là, c'est là que j'ai commencé à rapper en anglais. Any got skills la too, salle, c'est important. La salle, c'est important. J'ai pas fini parce qu'il faut que le monde sache qu'avant, que sans pression, j'ai rappé très longtemps en anglais avec mes cousins. J'avais un groupe qui s'appelle Close to Comatose. C'est un groupe qui a continué ça après. Ouais, en ça a continué parce que c'était avec King, puis Corleone. Yeah. Corleone, shout out, man. Shout out avec Clinton, man. Mon petit frère là-dedans, JJ Hardaway. C'était pas un gars 777 back in the days, man. Some kind. I don't know, man. I remember. Why you bring 7? Because you're J7? I remember, man. Okay, but anyway. Okay. C'est dope. OK, fait que t'as quand même eu un run en anglais. Ouais, là. J'ai eu un run en anglais de, mettons, 91 jusqu'à 96.
Shit, quand même. Yeah, yeah. Puis tu sais, le monde, il réalise pas parce que ça, j'ai parlé avec DJ Choice, des gars qui étaient là back in the days. Yeah, she's a culture. Ouais, yeah. Puis même des gars comme D-Shade. Puis le monde, il réalise pas qu'avant 97, avant Dubmatic, là, puis l'explosion de, yeah. du rap français au Québec, en majorité à Montréal, ce qui runnait le shit, c'était le l'anglais. Rap anglais. C'est le rap anglais Facts. Qui runnait things over ici. RK, tout, même son grand frère. C'est le rap anglais qui dominait le rap. C'est ça. Là. Big time. OK, fait que yeah, but we didn't, le rap français avait personne à regarder. Ça a pris quasiment MC Solar avec, avec Guru. Ça a, ouais. pris des, ça a pris des KC, L-M-N-O-P, des MRF, ouais. des Lagamic. MRF, and all facts. That. Ben c'est ça. C'est, le monde, ils disent beaucoup que c'est quand que Dubmatic a sorti puis que le monde, ils ont vu que... Moi, ça m'a fait avoir ça. Du succès. C'est comme, OK. C'est en quelle année, Dubmatic, maintenant, avec Barnev, Soul Pleureur? 97. OK. Yeah, yeah. Puis Soul Pleureur, en plus, c'était comme SP, Soul Pleureur. Fait que j'avais comme... SP Everywhere, Sell et Poivre, all of that. Non, c'est... Meant to be. OK, fait que là, t'étais en anglais, tu faisais des shows puis tout en anglais, là. Yeah, avec les gars, tout ça, il m'a comme... C'était quoi ton nom, déjà? K-Spaz. K-Spaz, exactement, on avait dit. Ben, le vrai nom, c'était K-Spazm, you know what I'm saying? OK, c'est comme ça. OK, yeah, ça, c'est ton first rap name. Yeah, là. Mon vrai... Non, non, avant, c'était Special K. OK, Special K Special au début. K coming at you like this. I gotta make it quick, cause I gotta take a piss. Wow. Non, c'était des conneries de même. Ça, c'est genre... Les bars, hein, si ça, c'était genre hein. le premier buzz en anglais. Bro, c'était un 8 bars sur 16, let yourself go. Mais ouais, y'a pas de problème. Non, non, fait que, yeah, fait que je l'ai fait en anglais jusqu'à temps que j'entende... celui qui m'a influencé le plus là, dans le francophone pour que je fasse le switch... C'est Casey L-M-N-O-P. Like, yes. Lui, c'est comme de, souvent, moi, je me suis jamais donné le nom le parrain. Hein. That's the public. Ça, c'est quelque chose de fact, qu'est-ce que tu dis. Parce que je t'ai jamais entendu, toi, le dire. Jamais. Comme, moi, I don't know why. Comme le monde pense que, like, c'est, souvent, tous les noms que j'ai eu dans ma vie, c'est le public, man. I'm not into all of t'es that. T'es pas self-proclaimed. Non, rien, non. Même SP, non. SP, le monde, là, moi, j'étais là. Fait que je suis témoin. C'était un diminutif de sans pression. Tu comprends? C'était SP, là. Oh ouais. C'est pas comme oh lui ouais. qui s'est levé le matin et qui a dit moi ça va être SP. Le monde il voulait pas dire sans pression complet, puis il voyait lui, puis ils étaient comme ah oh, SP, SP, okay. SP. Okay, but, yeah. Mais là pour continuer sur Casey, c'est, yeah. fait que c'est en voyant Casey à l'MNOP yeah, que t'as yeah, vraiment. En voyant Casey à l'MNOP, I was like I'm gonna try this man, cause I could relate, cause je filais pas les autres, pas que je les filais pas, mais I didn't relate to anybody rapping. C'était très identitaire le rap dans ce temps-là. I didn't feel anybody that was rapping with no French accent. Comme ouais. si tu venais du Québec puis tu rappais avec un accent français, je te filais pas. Parce que moi, c'était beaucoup ça dans le temps. Moi, j'écoutais du Snoop. Du West Side, c'est du West Side. Du rap d'Angleterre, c'est du rap d'Angleterre. Du rap des States, c'est du States. We're not on the same page. Ouais. But we do the same art. It's the same art, but it's not the same. And that's, c'était très important. Aujourd'hui, it's okay. Plus, aujourd'hui, pense, c'est différent parce que les choses ont évolué, yeah. mais c'est vrai que Casey, qu'est-ce qu'il a fait dans le temps, yeah. c'était légendaire. Parce que pour arriver comme ça, puis rapper avec l'accent joual, puis parler un peu les slangs de qu'on parlait. Puis je vais aller plus loin que ça, c'est pas juste sa chanson Ta gueule, c'est aussi l'émission Rapcité. Rapcité, oui, bro. Gros classique. J'étais là dans l'audience quand je t'ai dit. Ça, je vous le dis tout de suite, dans ce temps-là, tu vois Rapcité, comment que c'était? On était en avance sur comme tout le Canada. Là. 100%. Je suis d'accord. Puis sur tout le Canada. C'est pour ça, c'est pour ça que quand les gens ils parlent souvent « Hey, je me rappelle de telle émission hein? », moi, je leur dis tout le temps « La meilleure émission hip-hop hein? qu'il y a eu au Québec, c'était Rapcité. » Rapcité. Avec Casey yo, bro. Les DJ à la yo, that was the realest. C'était trop real pour bro, le Québec. Casey, il droppait des verses à la fin de chaque émission. C'était trop real pour on. Le Québec. C'était c'est trop vrai, real facts. Pour le Québec. Puis l'industrie a eu peur de ça. Non, puis là, mais après ça, il est vraiment sorti avec son album, yeah. son projet. Puis c'est là yeah. que t'as so, dit OK. Yeah, puis après ça, j'ai vu que Dubmatic est sorti, puis qu'il y avait une place pour l'hip-hop, ça jouait à radio. Puis j'ai fait un petit test en anglais. Ça a juste pris comme 4 bars pour changer de. Ouais, ça j'ai entendu. Oh, vas-y, I vas-y. Je pense. Je sais pas ce que je disais, mais. C'était un show, c'est ça? Ouais, c'était un show à. C'était avec Malik Shahid en plus. Shout out okay. to Malik Shahid. Big shout out, Malik. Scène, puis. J'ai fait un show avec mon boy, you know what I'm saying? Puis comme it, là, c'était quand tu rappais en anglais, là. Ça, c'est pendant que t'étais un... Je rappais en anglais, mais ce jour-là, j'avais un show, puis c'était en français. C'était un de mes premiers tests. OK. Puis les gars de Comatose étaient là. OK. They were there. Mon les groupe gars de ton en, groupe, ouais. Mon groupe en anglais était là. Puis quand j'ai fini, j'ai fait 2-3 bars, the crowd went crazy.
Puis, as soon as I, quand j'ai débarqué du stage... Yo, don't talk. Quand j'ai dis pas mon nom, là, the crowd. OK, yeah. Different type of crowd. Parle pas toi, crowd. Quand j'ai débarqué du stage, j'ai regardé mon cousin, puis j'ai dit, oh, je rappe plus jamais en... Non, I said it like that parce que j'étais un gars qui est très sick. OK, puis la foule est allée, they went crazy. Yeah, they went crazy, but as soon as I got off stage, I went and see my boys from Close to Comatose and I said, I'm never rapping in English again. Puis ça fait un mini fret, man. J'ai des cousins que je parle plus avec. Aïe, aïe, mais eux, ils ont parce vu la réaction du crowd. Mais ils étaient pas down, man. Ils étaient pas down avec le rap français. They were like... Ouais, c'est vrai. Like, they didn't believe in... C'est un différent temps. Mais c'est un différent temps. Ouais, ils croyaient pas en ça. Là. Bon, ça, c'est avant qu'on fasse les francopholies sur des planches de carton avec une lumière. Yeah. Un cardboard avec une lumière. Fait que ça, c'était way back. Là. OK, fait que là, t'étais dans ton groupe, tu leur as dit, boom, c'est fini. Yeah. Guys, I'm out. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à rapper en français solo? Non. Check comment c'est arrivé. Là, on est encore... On a sauté une petite affaire. Ouais, on était rendu à Saint-Bruno, il me semble. Parce que, comme check, là. Quand j'ai déménagé à Saint-Bruno, là, on était à Ville-la-Salle, ça commence à être fucked up. Non, ouais. non. Mon père essaie toujours de se sauver du drama, man. Comme ça, Blessings to the Padre. Il essaie toujours de nous sauver. On était en Afrique, il était comme... Non. C'est chaud, on bouge. On va aux States. On est arrivé aux States, c'est chaud, man. On bouge. On s'en va à Sherbrooke. C'était correct, Sherbrooke, mais c'était comme... Il avait besoin de faire ses... Il avait un job à Montréal. Okay, mon père, c'était un biochimiste. Puis la première job que j'ai jamais eue, c'est... Je pense que c'est mon père qui... J'étais l'entretien ménager dans l'Institut de recherche de Montréal. Right. Yo, il y avait même... un moment donné, là, on a vu ça dans le journal, ton père, dans le début du COVID. Là, mon père, c'était un recherchiste, man. Il travaillait sur le... sur chercher un remède pour le coronavirus. C'est cool de voir ça. Puis, c'est pas parce inspirant. C'est gros là dans mon père. Puis, il a pas trouvé le remède pour corona, mais il était là. Puis, il a travaillé là-dessus. Il a travaillé là-dessus très, très longtemps avec toute son équipe. Shout-out à tout l'Institut de Montréal. Le frère à Jean Chrétien et toute sa famille. En plus, c'est un écrivain, right? Tu me trompes pas? Yeah, c'est un écrivain. Okay. Il y a des livres. Si vous savez pas, aller chercher les livres à mon père. Majambo MBK. Allez checker ça, man. Okay, c'est des livres, man. C'est nice, ça. OK, fait que là... Break down comment que quand t'es allé en français, tu sais, parce que moi je connais d'à partir du premier album, évidemment. Fait que je connais pas comment, qu'est-ce qui est arrivé entre. Check. Moi je déménageais à Saint-Bruno à un moment donné, là je suis pas sûr quelle année, mais je débarquais là. Je débarquais dans une école qui s'appelle le Polyvalente de Saint-Bruno. Gros là, la grosse école jaune dans le Mont-Bruno. OK. Puis là, je suis arrivé là-bas, c'était que des. Yo, hip-hop, yeah. Il y avait comme 4-5 gars qui écoutaient du hip-hop dans c'était comme ça dans le temps. C'est ça, le monde, il réalise pas aussi. Là. Aujourd'hui, c'est tellement popular culture. C'est là que j'ai rencontré T-Kid, you know what I'm saying? OK, à l'école. You know what I'm saying? Puis c'était mon rider, you know what I'm saying? Il ride avec moi, you know what I'm saying? Il était pas trop dans l'hip-hop, mais il était là, you know what I'm saying? C'était un rider. OK, lui, il rappait pas dans ce temps-là. Il a tout fait, T-Kid. Au début, il était DJ. OK. Après ça, il a été danseur. Il a touché un peu à tout. Okay. Mais comme quand les choses sont devenues vraies, c'est quand on a fait la mixtape Too Hot to Handle avec Cédric Morgan. Cette mixtape-là a fait beaucoup de bruit. Puis là, ça commençait à être un peu plus sérieux. Mais quand tu dis avec... on a fait, c'est toi puis T-Kid, vous étiez déjà un groupe, c'est sûr. Il y avait moi, il y avait Yvon Crevé. Too Hot to Handle, tu parles. Ouais, on était déjà un groupe. OK. Le groupe s'est formé exactement comme. Le nom, c'est au show I'll Make You Famous. Yeah. Ouais. I know the ça, story. C'est une histoire quand même légendaire. Explique ça. La story, man. Merci à la madame qui était là, right? I'll Make You Famous, man. Le show I'll Make You Famous, shout-out à Wallen, tout ce monde-là. Ouais, I'll Make You Famous, c'est un show très, très, très infamous. C'est un talent show, dans le fond. C'est un talent show, puis j'aimerais dire au monde que dans le temps, les talent shows, là, on n'avait pas besoin d'avoir Migos dans place pour que ça soit jam-packed. Hein. Fait que le monde qui pense que le hip-hop marche aujourd'hui, no on faisait des talent shows avec le talent local, puis c'était jam-packed. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je vous le dis, c'est l'industrie qui est en retard, puis c'était pas nous autres.
On était au même niveau que New York, puis tout, je vous dis. Je suis d'accord avec ça. Parce que yo, j'ai vu des footage de shows de Big Daddy Kane en comme 88, 89 à Montréal. Holla. C'est plein. Holla. J'étais comme shit, il venait même à Montréal en ce temps-là. Yo, c'était plein comme ça pour des shows locales, bro. C'est fou, ça. No big names, nothing. Like me, you, and a couple MCs from the hood. And the place is jam packed. Santé, mon SP, man. Your boy, man. Santé, yo, man. Big shout out 13 Deep, we in a fucking building. Québec a jamais été. Ah, puis Joe BG, man. Okay, c'est bon, c'est bon ça. C'est bon que tu states ça parce que le monde, ils ont tendance à facilement blâmer. Genre, ils sont en retard ici, ils savent pas ce qui se passe. Mais je suis d'accord que c'est l'industrie. C'est l'industrie. Mais les gens. C'était très marginal. C'est ça. OK, fait que là, t'arrives au talent show, tu t'inscris, comment ça se passe? On s'inscrit, on n'a pas de nom, on est des jeunes petits vagabonds. Vagabond. Je pense toi, vagabond, la religion, je pense même c'est qu'on pas est arrivé là dans une machine freeze, man. OK. OK, des wild boys dans ce temps-là. Yeah. Attends, on peut-tu... Je pense que j'avais pas de ceinture, je pense que mon pantalon était attaché à... comme... Nous, on n'était pas des... Aujourd'hui, les jeunes sont... Ils sont plus... gangster, gang, whatever. Le swag, puis l'apparence. Swag, tout ça. Ça ouais. Dans le temps, nous, c'était Daz Effects, tu comprends? Ouais, c'était ghetto. You ever see what that straight from the sewer? Pantalon large. C'est ça la pochette, non? On sort des Big égouts. Shirt, ouais. Mais c'est ça qu'on ressemblait quand on débarquait. On dirait qu'on sortait des égouts, tu comprends? C'était dans ce temps-là, le rap, c'était comme ça. C'était rugged. C'était rugged. C'était dirty, c'était grimy. Il n'y avait pas un rappeur qui ressemblait à T.I., là. Tout le monde ressemblait à Craig Mack. Quasiment, t'avais des gold chains, à part c'était Slick Rick, puis c'était comme bizarre. C'était même pas en mode dans le temps. Là. Fait qu'on n'avait pas de nom. On peut-tu reproduire l'affaire? Quoi ça? Oui, bonjour. Bienvenue au concours de MC. Justement, on va vous inscrire sur la feuille. C'est quoi votre nom? Hey, Vinon! Vinon! Oh my God. OK, Vimbalo! C'est quoi ton non, nom à toi, là? Attends, vas-y. C'est comme Vinon! Qui non ça? Puis là, moi, je suis comme, je sais pas, man, whatever. Puis tu kid est comme, ah. Je sais pas, man, yo. Écris qu'est-ce que tu veux. Puis moi, je suis comme, yo. Maman, écris ce que tu veux, G. Puis la femme est comme, oh, sans pression. Puis là, moi, je suis comme, maman, man, c'est sans pression. Ce qui est comme, maman, man, c'est sans pression. OK, nickel. Fait 30 secondes plus tard, ils ont dit, prochain groupe, sans pression. C'est comme si nous autres, ça, yeah, fait man. Que c'est parti de là, man. That's it. Crazy yo, shit, le temps d'un jujube, de Vucard, aujourd'hui, on parle souvent de les artistes, ça, c'est l'apparence, c'est le branding. Non, il n'y en a pas de ça. Ils s'assoient, ils pensent au nom. Hey, sur Google, non, comment c'est ça va cette madame-là que... Attends, just want to make sure. C'est cette madame-là qui a trouvé le nom sans pression. Pour vrai, hein? Wow, big props. Facts, attends. Shout to the ladies, man. Shout to the ladies, it's fucking... Elle a changé l'époque québécoise, elle ne savait même pas. That's it. Mais tu peux, on peut donner shout-out à Make You Famous, le show, puis Wild MC. Shout-out à Make You Famous, shout-out à Wild MC. Il y avait du monde, il y avait LMDS qui est plus tard Camaro, il y avait... Ouais, il y avait tout... Comme pour vrai, c'est ça que je respectais de Back in the Days, parce qu'aujourd'hui, les gars, ils ont 20 vidéos, man. Ils font pas deux shows par année. Ils font fucking 50 vidéos par année. Pas capable de se booker un esti de show. Puis ils veulent être payés pour des shows, man. Ils ont jamais monté sur stage, man. And they want to get paid and shit. Oh, moi, on me paye pour faire un show. Why? Because you got views on fucking YouTube. Nigga, get on stage and viens à patiner avec moi, man. Tu vas voir, man, que yo, I fucking do Gary Price on your ass. Big words. Moi, je vois des mondes avec des views qui n'ont pas de choses. Yeah, you got views, man. We took the views. We see so whatever. By the way, tu fais 50 vidéos par année. Views, avec vous avez l'argent, chars, je vends des views. Your million-dollar videos. You know what? You should organize shows with instead of doing videos. Facts. Organize shows, man. Monetize. Ah, faites des shows. Organisez vos propres shows si personne veut vous booker. Arrêtez d'essayer d'impressionner le monde avec vos vidéos comme si vous êtes des fucking vedettes. Il n'y a pas de fucking show de bouquet. You fake stars, man. Ben, c'est vrai. Fake fame. That's internet fame. I don't respect that shit. Ça l'a changé. You got 20 videos and don't do two shows a year. You playing with me, man. Get the fuck out of here, man. Ça l'a changé, bro. C'est vrai que dans le temps, bro, c'était... I'm old school, so I'm stay old school. Yo, puis dans ce temps-là... Je respecte les jeunes, ce qu'ils font aujourd'hui, mais moi, je suis vieux jeu, puis ça va rester comme ça. Facts. Non, c'est... I'm going to respect you when I see you on stage. Rocking but that's a crowd. The real hip-hop way. Puis c'est pas sur stage avec 50 gars de ton hood. Let him know, okay? Pour montrer que, yo, vous êtes beaucoup. I want to see you rock the crowd. Rock the mic, fucking crowd. One DJ. T'as le DJ, t'as le mic, puis t'as 50 personnes, 50 000 personnes devant toi ou 50 Impressionne-les. Personnes. Make it happen, bro. Yeah.
Stop playing with me. That's it. Ça, c'est des gros words parce que c'est vrai que back in the day, c'était vraiment basé sur les, les performances live, tout ça. Aujourd'hui, c'est basé sur les numbers. Je vois plein de gars, ils ont des vidéos, C'est comment je découvre les rappeurs, c'est ou bien avec une vidéo puis, ou parce qu'il s'est fait shot ou quelque chose. You know what I'm saying? J'ai jamais le talent. It's always got some bullshit. C'est comme j'entends, c'est comme ça que je découvre les nouveaux rappeurs aujourd'hui. Plein de nouveaux rappeurs, j'y découvre à cause qu'il il est in jail, il s'est fait pop, des histoires dans le street. Yo, envoie-moi des bars, man. C'est vrai, man. Yo, là-dessus, yo. Round of applause. SP has spoken, je veux dire, t'as raison. Mais regarde, il y a quand même des jeunes qui ont des bars. Y a quand j'adore même des les jeunes qui ont des bars. Je respecte les jeunes, j'adore ce qu'ils font, les jeunes. Facts. Ouais. I spit it on the young cats. Ouais. I love the cats. Mais je te feel sur le côté de, I love what they're doing. It's just like, sometimes I feel like it. You know, they could influence beaucoup de jeunes, and they could use that shit to like use that know, power to get to the next to, level to change shit or just like facts. C'est vrai qu'on entend beaucoup des rappers basés sur des histoires d'à côté puis pas sur le talent musical. Attendez, je veux vous couper là. Marie qui en a encore beaucoup. Shout out aux jeunes out there, man. Goat talk alert. So yeah, man, we gotta give it up, Ojan. The best man that ever did it. Thank you, DJ Crowd. Love you too, dog. Yo, shout out to Torché, by the way. You know what I'm saying? You see the drip. Shout out my boy Adamo. T'inquiète, je me change dans pas long. On va partir de frère de feu à Torché. Yo, merci aux commanditaires. Il faut qu'on show love à tout le monde, man. Yo, attends, by the way, attends, juste avant. Oh, on a un cadeau pour toi, SP. Wagwan. Sans pression. K, all of that. Check him for good business because he's one of the GOAT that ever did it. Magic wood, customized, what? Sans pression. Stop playing. 2 grammes dans un backwood au raisin avec du pink runs. Yeah. Avec, comment on appelle? Du Keef, right? Qui a fait ça? Keef, Magic Woods. Yo, Magic Woods. Si tu peux prendre des photos, le taguer sur Instagram, après ça va être lit. Magic Woods, man. You see that, man. Go on, smoke that shit after, man. Sans pression, style. Territoire, style. Gang. Malade. Knock on wood, bro. Personnalisé and all that. Straight up. Yo, so là, check, on va retourner à l'histoire, là, parce que l'histoire est dope. Vous faites le show, vous avez performé, j'imagine, ça s'est bien passé, là, le talent show? Non, ça s'est mal passé, man. Hein? Parce que quand. Quand le gars est parti le beat, non, dans le temps, là, comme... Oh, je me rappelle même de cette histoire-là. Même si on était bordélique, on était fucked up comme qu'on était, mais comme... quand c'était action, quand c'était temps pour le show, il fallait que le son soit bon, man. Ouais. Puis comme le son était garbage, whatever, so... On a bum-rush le DJ. Attends une seconde. Bum-rush le DJ, comme quoi, vous étiez sur stage. Ça, c'est-tu là, quand t'as smack le gars de son? J'ai pas smack personne. Ça, c'est le show que vous le monde, cette histoire-là, tu sais, des vieilles histoires, ça... Comme ça passe de bouche en bouche tellement que. Mais c'était pas le DJ. À la fin, ça finit que j'ai smack le dude, type ça. Pas smack comme ça, mais tu as fait comprendre que mon mic j'ai est juste pas assez fait fort. Comprendre. J'ai juste mais fait ça, comprendre. Mais ça, c'était pas la même soirée que oui, DJ. Oui, c'est la même soirée là, qui me parle. Okay. C'est la même soirée. Okay. I'll make you famous. En tout cas, moi, on m'a dit que t'as sauté du stage puis t'as été checké. Ouais, j'ai sauté du stage, bon, j'ai été checké, mais j'ai juste fait comprendre. Non? Sers-toi, mon bro. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Nous autres, on chillait dans le métro. Fait qu'après ce show-là, c'était jam-pack. Puis après ça, c'était. Mais attends, vous embarquez sur stage. Le soundman, le son, il est pas bon. Vous débarquez du stage. Vous marchez jusqu'au. Je retourne au stage, par le beat. On fait notre show, nanana. Non, attends, t'as skippé l'affaire. Vous allez voir le soundman, qu'est-ce que vous lui dites? Là? Lui, il est au milieu du. Yo, la je foule, sais là. Pas, je suis jeune, je suis gaillé. Bro, comme, man, pas. Mon show, man! Ouais, t'es fou ou quoi, man? Okay. Là, je vais te t'étrangler, man! Okay. Type of shit. Yo, moi, j'ai des. Je sais. Là, il a arrangé le son. J'ai 19 ans, 20 ans, man. J'ai déjà hyperactif, j'ai 44 ans. I'm still like that. Imagine when I was 19. So that's what happened, man. Fait que là, tu retournes back au stage. And was crazy too. So we went there. We got crazy on the sound, man. And he fixed the sound and we did the show. Là, après ça, le show, c'était chill. Yeah. Mais après ça, on chillait au métro puis tout le monde passait. Tout le monde sans pression. Et à partir de là, it was all. Mais tout le monde a ri. Everybody laugh. Tout le monde a ri du non sans pression. Je connais plein de goats qui sont dans le game qui ont ri de nous là, au début. Ah mais ouais? Je dirais pas de nom, là. Mais non, c'est pas de nom. À cause du nom? Ouais. OK, ben là, non, tu vois, j'aime le nom, c'est dope name. Il y a beaucoup, non, mais c'est dope maintenant, mais il y a... Pour tu veux un refill, toi, t'es bon? Mais pour vrai, au début, là, il y a beaucoup de monde qui l'ont pas vu venir, celle-là. Mais it's all love, though. OK, man, yo, c'est fou, pareil. Puis là, dans ce temps-là, vous faisiez des shows. Fait que là, dans ce temps-là, c'était des talent shows, des affaires de même. Des talent shows.
Si pis ça, à un moment donné, Cédric Morgan. Heavy! Yo, DJ Crowd. It's fucking 13 deep, it's fucking major way. Tout le monde dans l'audience qui regarde, si jamais vous êtes à un événement, puis DJ Crowd vous sert, yo, gardez votre œil sur la bouteille, faites attention. Bro, it's fucking hostile all day, man. Hostile all day. Yo, y'all see the tats, man. 13 deep, we go way back. Hostile hush-like, man. Hostile hush-like. Ben oui, that's it. One of my best friends in here, one of the GOAT. So let's keep, on va continuer l'histoire parce que c'est vraiment intéressant. Yeah. Fait que là, OK, vous commencez à faire des shows, puis c'est quand vous avez dit, yo, on fait un album? Ça, c'est venu plus tard, man. Bien plus tard. Comme on a commencé à faire des shows, puis ça, on m'a amené Cédric Morgan, il a fait une mixtape, ça s'appelle Too Hot to Handle. Ils ont fait des shows, hein? Ils ont fait une série de shows, me semble, avec ce nom-là, right? Too Hot to Handle, je sais pas ça, je m'en rappelle plus. OK. Puis là, il y avait moi, Yvon Crevé, Ticket, on avait fait un shit, ça a eu beaucoup de buzz. L'album, quand l'idée de l'album est arrivée ou qu'on nous a proposé quelque chose, c'est après que je sorte au jour le jour. La chanson au jour le jour, c'est le premier official track, sans pression, comme, que j'ai drop dans une radio. OK. Puis là, ça s'est tombé dans les oreilles à Cédric Morgan. Lui, il voulait faire beaucoup pour le rap québécois. Fait que, shout-out à Cédric Morgan, ouais, parce que le monde ne savait pas. Shout-out à Cédric, man. Il y a bien du monde qui ne savent pas, mais si c'était pas pour Cédric Morgan, Nicole Bouchard, il y a beaucoup de groupes hip-hop québécois, France, la France, tout ça, il y a beaucoup de monde que le monde n'aurait pas connu si c'était pas pour eux autres. Facts. C'est fait que, lui, il voulait partir un label, Cédric, puis il y avait une partenaire qui s'appelle Nicole. Puis c'est ça. Excuse-moi, SP. Shout out Nicole. On a un Nicole ici. Yo, shout Nicole. Big shout out. Yo, Nicole, we love you, man. You know what I'm saying? We love you, French America. Allez, type of shit. Continue, tu peux continuer. Puis là, ils ont parti le label Mont Real. Gros label. Puis, yo, Mont Real, man. Ça, c'est un label légendaire dans l'histoire du rap à Montréal. Yeah, man, gros love à Cédric Morgan. Fait que là, Cédric Morgan puis Nicole Bouchard, ils ont parti Mont Real, puis ils ont signé Sans Pression. Yeah. Le premier qui a été signé, est-ce que c'est Sans Pression? Vonvon était dedans, me semble, non? Non, pas tout de suite. OK, après. Mais leur premier artiste, ça a été vous, genre? Ouais. OK. C'est fou, man. Puis c'est ça, man. C'est une aventure, c'était nouveau pour tout le monde. Autant pour le label, autant que pour nous autres. It was, everything was new. T'es rendu à quel âge, là? Dans le temps de Montréal, exactement, genre? Ah? 22. OK, 22. 23, peut-être. Fait que là, les choses commencent à se passer. 97, 98. Comme... Ouais, là, les choses commencent à se passer. Puis là, Dubmatic, c'est out. Ces groupes-là sont déjà sortis. Puis là, vous rappez en joual. Ouais. Peu joual. Moi, selon moi, KCLMNOP, peut-être, parce que c'était ta gueule, vite. Mais lui, c'était joual. Non, KCLMNOP, lui, c'était joual. L'a fait en premier. Ah non, KC, mais sans plus pression. Que moi. Non, plus joual, oui, mais après KC, qui d'autre? Non, il y a eu MRF. Un break. Non, ça, c'était avant KC. Bouger et danser, ouais. C'était quasiment du pop et pop. Bouger et danser, MRF, pour là. Ah, on se fait pas m'arrêter. C'était hard. He was doing his thing. Non, man. Non, c'était hard. Pour mais moi c'est le premier, c'est MRF que je me rappelle. MRF, KC, LMNOP, puis après, ça moi, joue en Dubmatic, Rain Man, moi, sans MRF, pression. Moi, MRF, il n'y a pas Reach à moi quand j'étais non. jeune. Non. Moi, c'était KC, ça, c'est un gars avec qui tu niaises pas. Je connais maintenant. Là, je connaissais les danseurs. Mais, ouais, mais ça c'est elle qui a pas passé à la radio. Bélanger, Master B, non, les danseurs et non, là, yo. Non, moi, c'est KC, LMNOP, mais je pense que vraiment, parce qu'il y a eu la wave de Dubmatic, puis LMDS, tous ces gars-là qui sont sortis, même la Constellation. Puis après ça, vous, quand vous êtes arrivés, c'est comme vous avez vraiment comme officialisé le franglais, puis le rap en québécois. Puis on n'arrête pas d'oublier Rain Man, man. 100% Rain Man. Rain Man was there, man. C'est vrai que Rain Man est sorti avant moi. C'est vrai, man. Big salute au gars de Rain Man. Gros shout-out. Puis quand j'ai vu Pat Chilling, tout ça, that food, ça aussi, ça m'a comme... Ouais. C'est vrai. Ça m'a donné de la force. Parce qu'ils sont pas arrivés avec un rap français de France. Non. And they had the girl, too. Like, they had the... Québécois posé. Mais lui, des fois, il crachait dans le mic. Je sais même pas si tu t'en rappelles. Tabarnak. Ben non, mais tu sais, fuck asti, tu sais, les gars. Fuck asti. Ils arrivent avec des slings vraiment québécois. 5-4-5-0 MTL, man. C'est pour ça que vous, ça a vraiment comme, OK, c'est du rap d'ici, là. Puis c'était pas forcé non plus. C'est comme, it was natural. OK. You know what I'm saying? Le franglais était pas forcé à rien, là. Comme, it was just... Il était naturel. Bro, lui,
personnellement, lui, il connaît l'histoire. Tu sais, comme moi, ouais, je suis Québécois, Italien, tout ça, mais je check pas les nouvelles, je check rien. Lui, il connaît l'histoire du Québec de A à Z. Yeah, donc, man. N'importe qui, n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment. Peut-être pas toutes, mais comme tu comprends, mais moi, en tout cas, plus que moi. Je me suis souvent défendu pour les affaires de racisme avec la culture. Like, si tu connais la culture de ton prochain, c'est dur d'être raciste, man. Mm. Comme si tu connais vraiment la culture de ton boy à côté de toi, ça va être dur pour toi d'être raciste. C'est ça. T'as aucune raison d'être raciste. Ah, le racisme, c'est l'ignorance, à la base. Comment t'as rencontré Cédric Morgan ou Nicole? Comment est arrivé le deal de comme... On est peut-être intéressé à te signer. Moi, ouais, mais c'est eux autres qui sont venus vers nous autres, genre comme. D'après, ils t'ont vu dans un show, c'est arrivé. Yo, man, dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. On faisait des shows, man, puis t'entendais back parler de nous, man. Facts. Donc, on faisait des shows, man. Ring. T'avais pas de posts sur Internet, puis tes gros vidéos, là. Pas d'Internet. 486. C'était basé vraiment sur les skills, pis le talent sur le fuck mic. Ton petite vidéo de merde. Hey, on peut-tu avoir un crisse de petit moment pour une pause chronique? Yo, en passant, T-Kid, dans ce temps-là, il a toujours rappé en créole. Ouais, mais moi, quand j'ai connu T-Kid, il rappait pas. Ouais, ouais, mais quand que vous êtes rentré dans la musique et tout, lui, il est chaud, il est au début, c'était mon hype man, après ça, il était DJ. Après ça, on faisait des bails en street, on était ride or die en street. Puis j'étais déjà dans le rap. Puis, yo, j'ai donné son spot, you know what I'm saying? Okay. Comme il était ride or die. Like a real brother supposed to do, right? Whatever, man. You know what I'm saying? OK. Fait que là, vous avez le deal. Les gars, ils vous présentent un record deal. Yeah. Tu sais, est-ce que vous aviez déjà des gars qui faisaient vos beats? Est-ce que vous aviez déjà ces affaires-là? Non, man. Moi, celui qui nous a rentré vraiment sérieux dans le game, c'est Stratège. C'est Stratège. Shout-out à Stratège, you know what I'm saying? Parce que moi, j'arrêtais pas d'aller voir mon grand frère, puis je disais toujours à mon grand frère que je commençais à rapper, je voulais des beats, puis... T'as connu Strat avant Ray? Yeah. OK. Yeah, c'est Strat qui m'a présenté. Ça, c'est avant qu'il habite dans le Vieux-Montréal, Ray, right? Ray m'avait dit ça, actually, quand il est passé au podcast. Puis là, Strat m'a présenté Ray. Il a some gems, ma J7. Il m'a présenté Ray, le premier beat qu'il a fait pour moi. Je me rappelle, j'avais été chez eux, puis j'avais demandé un beat à la Mobb Deep. Puis il a fait au jour le jour. Mais... Là, ça a donné au jour le jour. On a drop ça sur la radio. And that was it. Une couple d'années, comme 3 ans plus tard, on a drop 5-4-5-0. And that was it. 5-1-4-5-0 durant le début du premier processus de la première chanson jusqu'à la fin, c'est un gap de combien de temps? On parle de 6 mois, 1 an peut-être? Le faire? Ouais, le faire, total. Du début jusqu'à la fin. Moi, je dirais peut-être 8-9 mois. Ça t'a pris combien de temps d'écrire? Yo, j'ai écrit... Il y a des tracks que j'avais déjà en banque. Il y a des tracks que j'écris sur place. C'est ça. Puis comme. J'ai déjà entendu parler de comment tu as fait ça. Non, puis mon boy. Puis il a perdu un rhyme book de fucking 100 chansons. Yeah. Un rhyme book de 100 chansons, frérot. J'ai un gars qui s'inspire de tout. Non, mais je te regarde, je t'inspire. Je regarde Como, je regarde Nicole, je regarde les Jujubes, puis je t'inspire. Hey, dis ça, Cucina di Papa, va. Yo, donne-moi un autre hot fire, man. Oh, shit, OK. Yo, okay. OK. Dis Cucina di Papa. Non, je sais pas ce que ça veut dire. C'est le resto à mon oncle, man. Cucina di Papa. Cucina di Papa. Exactement. There you go. 318 contre Masson à Terrebonne. Le gars, il me donne comme 4 jugeux, man. Yo, SP, man. C'est point, qu'est-ce que tu sors? Non, non, non. C'est juste point 1, ça. Fuck me up. Shout aux frères de feu, by the way. Merci beaucoup, les frères de feu, pour votre amour et pour tout. On est là pour au moins 28 épisodes. Là, vous êtes en studio. Vous avez Ray qui est en train de produire des bangers, des classiques. Puis c'est vrai que c'était à la Mobb Deep. Puis dans ce temps-là, c'était ça qui bumpait beaucoup à Montréal. Tout le monde écoutait Mobb Deep, tout le monde aimait ces genres de beats-là. Bro, je pense que le mastering, ça vient d'un gars de ce coin-là, right? Quelque chose dans ce style. Yeah, le mastering, on l'a fait à New York, à Spalding, man. Non, c'est lui qui masterait. Let him know! Wu-Tang, master, whatever you want, man. Tous les gros cats. Cet album-là a coûté vraiment cher. Il a coûté comme ça, beaucoup. Très cher. Puis combien d'albums vendus à date aujourd'hui, à peu près? Aujourd'hui, on doit être pas à 40-45, sûrement. Woo! Give him a round of applause on that, man. On parle 40 000, 45 000 albums. Ça, c'est... Me, I would say around 40 to 50. Yo, on parle pas de stream, ladies and gentlemen. Non, non, on non. parle de... Je m'en vais
au magasin, j'achète une copie. Exact. Puis tu sais quoi, t'es pas dans ta chambre avec une carte de son, puis tu fuck ton back vocal, puis t'as recommences quand tu veux. Dans son temps, lui, c'était des bobines. Ouais, j'aimerais ça dire ça aussi. Il faut que le monde comprenne. Tu fuck de quoi, c'est 50 good. À chaque fois, tu fuck, c'est 50 good. Il n'y avait pas de copy-paste, man. Tu faisais pas le refrain une fois, puis là, tu le mettais après le premier verse. Le refrain, tu le faisais trois fois. C'est comme... C'est un autre game, puis comme... C'est bon que ça ait évolué aujourd'hui, puis que c'est plus ça. Non, mais c'est... Puis je suis pas en train de dire que, oh, à cause de mon temps, c'était comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres difficultés, bro. It's a new game, puis moi, j'ai de la difficulté à m'adapter aussi. So, yes, it was a certain way back then, but I respect the young cats that know how to do it today. Ouais. I learn from them. Yeah. C'est comme ça, j'en ai des jeunes qui viennent dans le studio, puis que je travaille avec des jeunes, puis comme... C'est eux qui me school aussi, là. Ben moi, je leur school, I'll give them knowledge, but they got a knowledge that... Ben oui, man. My kids give me knowledge. Ben facts. Oui. Yo, j'aurais pas un TikTok si c'était pas pour ma fille de 9 ans, G. Shout out Jaji. Allez tout de suite, SP sur TikTok. Parce que en premier, j'entends Puff Daddy qui dit... Yo, if you're an artist, you need to have TikTok. Puis là, j'entends des grosses ouais. vedettes qui ont des TikTok and they use that shit, that tell me to do that shit. So I gotta ask my daughter, man. Il faut que je demande à ma fille, yo, comment qu'on fait ça, bro? Puis ma fille, ben ouais, il faut toujours être ouvert. Il faut toujours être ouvert à apprendre. Bro, SP is a real dad. Me, I see ben ouais, ça, real dad, salute, good dad. Close to his children, nobody can say nothing ça, about c'est that, man. Que je respecte beaucoup. Tu montres beaucoup de ça sur tes réseaux. Mais moi, j'ai dit des fois, moi, je suis straight up. Je suis comme, devrais peut-être moins musique. Monter les enfants. Lui, il est comme, yo, fuck you, crowd. Those are my kids. Je suis comme, OK, ouais. Quand il dit ça, je suis comme, OK, those are my kids too. I love them, man. Non, mais c'est dope à voir, man, que c'est quelque chose qui est très important. Si c'était pas pour mes kids, I probably wouldn't be sitting here. You know what I'm saying? Ça vient-tu de tes parents, les strong family values? Yeah, ça vient de mes parents, puis je suis un. You know what I'm saying? I love kids. I love my kids. Shout out to the sister too. You know what I'm saying? That's just family values, man. I got that in me. You know what I'm saying? C'est des enfants. No matter how much drama you got, man, you gotta take care of them kids, bro. Toujours. You know what I'm saying? Faut fait toujours s'occuper de ses enfants. Moi, un gars qui prend pas soin de ses enfants, je le respecte pas. Hein. J'y fais même pas confiance. If you don't take care of your kids, I don't trust you. Moi, je te trust pas. Puis je peux dire même, je te respecte pas. Facts. Parce que même si tu parles pas avec la meuf ou whatever, prends soin de tes kids anyways. Facts. Yo, you're right, my brother. Yo. Yo, les gars sont là dans le club. Moi, je suis mix. J'ai le club. Il paye pas de sandwich à ses enfants au midi. Il est en train de pop des bouteilles. Ma fille, elle donne la moitié de son sandwich. Les gars sont en train de pop des bouteilles. You know what I'm saying? Take care of the kids. For real. Like, laisse faire ça, man. Laisse faire le drama. Laisse faire ton ego. Laisse faire tout ça. Ça, c'est tes enfants. Peu importe what the woman, whatever. C'est vrai. Prends soin de tes kids, bro. 100%. 100%. How about you, boy? We don't fuck with you if you do 3 fins de semaine sur 14. Non, c'est ça. How about you? Yo, fait que là, vous avez drop l'album classique. Vous avez vendu plein d'albums. Yeah. Vous blowez up partout au Québec, là. Yeah. Tourner, faire des shows. Puis là, ça a continué de là. Ça fait combien d'années, man, de ça? Ça fait plus que 20 ans, right? Ouais. 22 ans? Après le premier album, you know what I'm saying? Comme, c'est 20 years. Ça a commencé parti en couille. Après le premier album, il y a plein d'histoires qui sont arrivées. Et moi, j'ai pris la décision d'aller solo. Puis à partir de là, j'ai fait réplique aux Ofsky, mais comme... Gros album. Yeah, j'ai fait réplique aux Ofsky. C'est comme, je veux pas m'éterniser non, sur chaque album. Non, on va pas album, break down tous les albums. On a parlé comme, du à partir de là, just like, I just kept going, man. Puis comme... No expectations. Non. Just... Mais réplique aux Offusqués, ça a dépassé 25. Mais ça, j'ai checké dans les mains facile. Easy. Réplique aux Offusqués aujourd'hui, on va fêter le 20e anniversaire. Facts. On va faire un gros event pour le 20e anniversaire de réplique aux Offusqués. Est-ce que c'est 2023, dans deux ans. 2023. L'année 2023, je vous dis, je fais 150 shows cette année-là, OK? Ça va être l'année sérieux, man. 200 shows, 2023. La tournée réplique aux Offusqués, les 20 ans. Ben ouais. Ça va être légendaire. Yo, t'as dropped, c'est un autre album solide. Si Scoop! Si je te dirais, de tous les albums, à part 514-50, c'est quel ton favori que t'as drop? Parce qu'on a drop beaucoup. Real talk. Bon, moi... Real talk. Moi, c'est... Moi j'ai aimé... Micro Drive-By, c'est sur Micro Drive-By. Ouais, toi, c'est sûr, Micro Drive-By, parce que c'est du... Côté passager, la fenêtre baissée, charge à bloc, ride or die, remember ça me. Micro Drive-By. Mais moi, j'aime aussi le deuxième. J'aime bien...
Moi, je dirais... Tu sais quoi? Juste pour la cause, puis comme parce que... mon album préféré, c'est le premier, man. Ouais, ouais, 5-4-5-0. Ouais, parce que... Mais sans le premier. Sans celui-là. Sans celui-là, je te demande. J'essaie de trouver parce que je suis pas sûr. Je le connais bien quand même, mais je suis pas sûr de sa réponse. C'est. Moi, j'ai deux choix, je pense. Mais moi, c'est pas juste. Parce le que deuxième moi, est parce nice. Que moi, c'est pas juste pour la musique. Hein. Ouais, ouais, c'est ça pour... te rappelle du moment que t'étais dans ta vie. Puis tout. Je sais que c'est. Ouais, c'est la tendance de métier était nice aussi. Bro, dans chaque. Bro, il y avait beaucoup de Français. Yo, des gros. Vagabond ma religion. Vagabond ma religion, pour moi, est très importante. Ouais, facts, vraiment. Si t'as pas vagabond ma religion, pour vrai, c'est comme. Il te manque un morceau de ça, c'est probablement mon choix, man. Si t'es un fan sans pression, puis t'as jamais entendu Vagabond ma religion, c'est sûr qu'il te manque de quoi. Puis. Ta chanson puis, avec. Puis French America aussi, pour vrai. Le dernier French America, pour une raison, there's something about that album, c'est comme. C'est un peu la transition où est-ce que je m'en vais. Like, le monde va comprendre avec les prochains projets qui s'en viennent. Bro, ASP, c'est un storyteller à la fin de la journée. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, like, go listen to the track, man. Follow sans pression, ben beware ASP. Écoute. Go moi, listen to the track. Like, listen, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'écris beaucoup de chansons, right? Ouais. Non, mais j'écris beaucoup de chansons, mais j'essaie d'écrire des shit qui sont timeless, right? Comme, tu vois, cette semaine, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Silence, right? All right? Ouais. J'ai sorti cette gros chanson. Cover, by the way. People listen ça to it. Puis ils pensent que je parle de ce qui s'est passé hier des nouvelles ou whatever, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. That track was written when Donald Trump, tu sais, au deuxième vers, je suis comme, I talk about the president, I don't say his name, but I was talking about Donald Trump, okay, you know? OK, c'est une track que t'as écrit il y a longtemps, là. I wrote that shit, you know what I'm saying? But I put it out right now, you know what I'm saying? And to me, vu que I'm in my lane, I don't have to, like, sound like what's popping right now. I'm in my lane. Tu peux avoir plein de fans fake ou tu peux avoir 10 000 diehard. Ben ouais. Ouais. 10 000 diehard pour no matter what happens. So much knowledge. That no matter what happens, they got your back, man. Ben ouais, c'est important. Parce qu'il faut que le monde comprenne que tous leurs petits fans de l'Internet, les fans qui ont eu par l'Internet, puis. Non, ça c'est easy come, easy go. Easy come, easy go. C'est pas man. La même chose. Toi, t'as des fans qui sont dédiés, ça fait 20 ans et plus. Non, ça, c'est pas la même chose. Ils m'ont vu faire des erreurs, man. Puis je les ai avoué mes erreurs. Puis oui, j'en ai fait plein d'erreurs, man. Puis je vais en faire encore, bro. C'est normal, man. Je vais en normal. Faire encore. Let them know, okay? Tu peux me crucifier, man. J'ai déjà crucifié, man. No matter what I do. We all gonna die. We all gonna die. Moi, je focus sur le monde qui a du vrai love pour moi. Puis tout le monde qui sont pas down, you know what I'm saying? Fais juste switch. Change de poste, man. OK. I focus on the love. I give love out. 100%. Je fais de la musique pour aider le monde, man. Je respecte ça pour parler caca dans l'aile. Je respecte ça beaucoup. But OK, il faut qu'on mentionne ça quand même. Qu'est-ce que tu veux mentionner? Cet album-là, justement, tu nommais des gros tracks. Bro, il y a des gros tracks. Shout out à Bilo. Moi, je veux vous dire. Shout out à Tammy Tuesday. Cache l'album. Shout out à Isa. Ça, c'est à part de toutes les mixtapes SPDJ Crowd. Mais yo, pour vrai. Bro, there's a 200. Yo, Crowd, pour vrai, je veux toutes les ressortir, man. Il va avoir 10 collections, il va avoir 10 mixtapes. OK, hey, Nicole, je vais zoomer sur lui, le temps que mon chandail. Je vais ressortir toutes les mixtapes, bro. OK, ouais. Je vais en faire printer 3000 de chaque, puis après, il n'y en aurait plus disponible nulle part. Il va avoir 10 volumes, okay, bro. OK, gros shit. J'ai 10 mixtapes out avec lui, là. Ouais, je me rappelle. Il y a des mixtapes que je trouve même plus. Volume 3, je pense, j'étais dessus. Yo, de Cyrano, hein? J'ai même une parfaite combinaison avec Joe B.G. Wow. Yo, man. Facts. OK, hey, man. OK. Là, whatever. Il y a trop de tracks. OK, man. Pompé ton chandail. Hey, merci. Yo, rest in peace, Joe B.G., man. Rest in peace, Joe B.G. Chante mon cousin Adamo, man. On est torchés, là. Yo, so check. Québécois, italien, prosciutto. Il y a l'album French America dans ses mains. Il nomme les tracks. Moi, une track que j'ai feel, c'est une track que j'ai vue même sur Salut, bonjour. Shout out. Annie Soleil. Yo, Annie Soleil. Avec Impost? Annie Soleil, ma sister. You know, I love you, man. L'autre avec Ticket, La Vérité. La Vérité, gros right? track. Carlos Guerra, il a fait un gros track. Shout-out Carlos Yo, let's be real. C'était un gros track, puis c'était un peu... J'adore ce track-là. C'est un gros track. La Réunion, SP Ticket. Exactly. Là, maintenant, ces temps-ci, on dirait Ticket, il est comme, you know, he's on a rampage. Nous éprouvons des difficultés techniques. Hey, Nicole, c'est quoi t'as fait encore, là? À flash les boutons. Je veux juste avoir ton opinion parce que, tu sais, c'est ça, faut que je le mentionne. Ticket a toujours été un gars tête chaude, tout ça.
You know what I'm saying? I don't approve everything he's doing. Ouais. You know what I'm saying? Moi, je veux juste voir le gars faire des bons moves, mais comme, facts. On n'est pas sur la même longueur d'onde, bro. Facts. And I still got love for my brother, you know what I'm saying? But that's big, man. But des fois, là, il faut que tu tournes la page ou que comme, you gotta let it go. Comme, you try to help people. People gotta want to help themselves. Il faut que la personne veuille s'aider lui elle-même. Tu sais, okay. Okay. Puis, that's about it, man. Mm. Okay, fair enough, man. Fair enough, man. Mais j'ai du gros love pour Tikid. Puis, yeah. Yo, c'est big de ta part de juste dire ça comme ça. J'y souhaite vraiment le meilleur dans tous ces projets. C'est juste que comme moi, je pense pas que le négatif, c'est la façon d'y aller. Comme, faut aller dans le positif, man. On est des grands, on est des vétérans, on a des enfants. Man. Les jeunes, ils regardent aussi, man. C'est pas le temps de faire du beef, you know what I'm saying? C'est pas le temps de chercher des bébites partout, you know what I'm saying? Où est-ce qu'il y en a pas, surtout, man? Il y a personne qui est riche de cette putain de rap de merde. Moi, pour vrai, les rappeurs que je vais respecter au Québec qui font du cops, achète une maison pour ta mère, man. Yeah. You know what I'm saying? Facts. Yeah. Faites quoi? On n'est pas encore rendu là, mais il y a beaucoup de talent au Québec. Puis, as long as ça t'amène quelque chose... Moi, le rap, c'est thérapeutique pour moi. Ouais. Ben, on le voit dans ta musique. Si je le faisais pour l'argent, j'aurais lâché ça fait longtemps. Mm. Facts. Mm. Yo, puis là, ces temps-ci, on te voit beaucoup. Tu sais, je vois que tu rock le collier autour de ton cou. Yeah. Tu représentes beaucoup pour les Premières Nations. Yeah, man. On sait avec l'histoire de Joyce puis tout ça. C'est-tu vraiment là que ça a commencé, ton... Non, man, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je t'ai engagé là-dedans. Puis comme même que quand j'étais jeune, puis que le monde me disait, comme je disais tantôt, il me disait de retourner en Afrique. Ouais. Puis j'ai retourné chez nous, je disais à mon père, nanana. Il me disait, yo, il faut que tu saches que... Montréal a même pas... Ça, je parle, j'étais jeune. OK, t'apprenais ça back in the days. Mon père était comme... Montréal a même pas 350 ans, là. Tu comprends? Il était comme... Ceux qui disent ça, c'est même pas chez eux, genre. Ils ont rien compris. Wow. T'sais? Fait que moi, j'en retournais, puis j'étais comme... Yo, retourne-toi en France, puis retourne-toi en Angleterre, puis... Comme ça, je me défendais. Puis comme... Fait que j'ai toujours du respect pour les Autochtones, puis j'ai toujours voulu les aider, man. Nice. Mais quand j'ai vraiment voulu les aider, ça fait très longtemps. C'est parce que j'avais été sur une réserve. Je sais pas si c'est la bonne manière de dire, mais j'avais été dans une communauté autochtone. Puis j'ai vu le realness. Ouais. C'est no joke, man. Bro, moi. Oh, yo, on a été à Obidjan. Yo, bro, Obidjan, écoute ça. On roule, je suis GPS. À un moment donné, il me bloque. Ouais. À un moment donné, c'est comme tourne à gauche. Je vois un genre de tape rouge dans une branche d'arbre, puis il y a un chemin pour juste la voiture rentre. Lui, il me dit, yo, c'est peut-être pas ici. OK, whatever. On tourne à gauche, on roule un peu, on tombe dans juste du sable. Il y a genre 98 up and down. Il y a quelqu'un qui arrive, des Autochtones, il arrive avec une boîte puis un CB, mettez ça dans votre char. Quand tu montes numéro 1, tu dis, on monte numéro 1. Parce que c'est tellement à pic... que les gens qui viennent de l'autre bord pour savoir qu'il y a quelqu'un numéro un pour pas qu'on se croise. C'est comme ça au Liban, man. Bro, jusqu'à 80 quelque chose, 1h30, là, comme... Real talk. Yo, moi, j'étais en Mercedes avec SP, on est lit. Yo, il a loué une Mercedes de l'année brand new. Exactement, parce que... Yo, when you book us, I don't take my car. Il y a personne qui roule là-bas avec un char. Jamais. C'est juste des gros 4x4 avec des grosses rues. Yo, on pogne une bosse. King, le saut du char, il arrache. Les deux Indiens descendent du char à quatre pattes. Il y avait des tournevis dans leur poche. Yo, shout out aux femmes autochtones, man. For real, là. Yo, shout to them. Pour vrai, là. Ils ont réparé la voiture avec des... L'auto était brand new, hein. Avec ses clés. De l'année, là. Brand new, là. Elle avait peut-être 1000 km. Pour aller là-bas, là, ça l'a fuck l'auto, man. Puis ces femmes-là sont sorties, man. Avec des marteaux, man, sont ils ont tout arrangé le shit. They fix the car, man. Yo, mais là, vous me parlez de ça, tu sais. Puis là, on roule dans la forêt jusqu'à temps qu'on arrive, puis commence à voir les bordures de trottoir, puis qu'on se rend compte que c'est un cube. Real talk, avec man. Chaque maison pareille, avec un dépanneur, un garage, un gymnase,
avec une radio. Pas qui, cool, man. La radio qui not couvre fair. Juste non, les maisons. Fair, tu quoi? That pisses comme me si off, le man. Québec, comme si le Québec voulait pas qu'on sache qu'ils sont tu là. Tu le vois, non? Tu le vois, il y a des manifestations pour des affaires de territoire de back in the days, OK? Ouais. Imagine t'es amérindien autochtone pis t'habites ici, là. Non, non, c'est ça, c'est des choses imagine, que le monde... Imagine, là. Check l'Israël puis la Palestine pour des petites affaires d'un petit coin, là. Imagine, t'es ici, là. Lui, il me dit, à part des Premières Nations. Je veux pas aller là. I don't wanna go there. Mais c'est deep. C'est pour parler des Premières Nations, puis je veux pas aller dans toutes ces affaires-là. Ouais, de politique, je rentre pas là-dedans. Non. Moi, la politique, là, stay away from that shit. Lui, il me dit, à part des vêtements, on va leur donner. Bro, je donne un chandail que pour moi, je l'ai utilisé 2-3 fois. On a fait des vidéos, des entrevues. Il me regarde comme si j'ai donné 1 million ouais, de dollars. Non, puis c'est comme t'as dit tantôt, c'est une réalité qu'on dirait que le non, monde veut cacher. C'est trop bro, caché. Ils veulent que ça soit caché. Ça me révolte, ça me révolte. C'est pour ça que je suis là, man. Rest in peace, Joyce Chacoan. Pis ça n'a pas commencé avec Joyce, ça a commencé bien avant ça parce que... Mais c'est comme cet événement-là, ça l'a un peu trigger un peu le... Ça trigger, mais c'était déjà là. Okay. C'était déjà là parce que je préparais déjà un album qui s'appelle Black Geronimo. Ouais. OK, puis, ça c'était déjà bro, prévu. Bro, 10 ans, c'était déjà là, frère. I was already working on Black Geronimo. C'est-tu le prochain that... album, ça, Black Geronimo? Mm. C'est-tu ça le prochain? There's so many albums on SP's belt. So many tracks. J'ai besoin de sortir des scoops. Les gars, ils parlent de 50 tracks, 20 tracks, 100 tracks. My boy right now, guys. Yo, Black Geronimo, shout-out aux Premières Nations. Yo, c'est-tu Black Geronimo? Ils veulent savoir si c'est Black Geronimo. C'est quoi le prochain album. Projet, là? Non, ou c'est le projet du chalet avec Christophe Martin. C'est quoi qui se passe? Oh, non, non. Ça, j'ai besoin des infos là-dessus. Ça, j'ai besoin des infos. Yo, shout à Christophe Martin, man. Shout to the whole team. Juste pour dire que, dans le fond, on travaille sur plusieurs projets. Non, c'est mais comme... On sort les affaires quand c'est temps, puis quand c'est prêt, puis quand c'est fini. We don't have deadlines. On, let them know. KM Production... That's my peoples, that's who I'm shout with, that's me. I'm, okay. I'm part of that. Shout my cousin. You know what I'm saying? Fait que ça, c'est ton double nouveau Maxim. Mouvement, c'est KM Production. C'est KM Production, c'est mon label, you know what I'm saying? On est une couple là-dedans, puis on est ensemble. Nice. Puis moi, j'ai une question. Comme tantôt, vous parlez de votre chemin à Obidjan. Yeah. C'est quand que vous avez commencé à travailler ensemble? Mais nous, on se connaissait déjà. Non, man. Moi, j'ai connu SP, j'avais comme 16-17 ans. On avait fait un show dans le parc Jarry. Puis je sais pas pourquoi, parce que c'est comme si moi, j'arrive avec mon team, lui, il arrive avec son team, puis on finit qu'on est les deux pétés dans le coin. Puis depuis ce temps-là, ça a commencé, même à Affiliate, j'allais là, Dread... Shout-out to Red Dread, man. Yeah, Dread faisait des beats sur le RSR10. Wow. Jean-François Robert, Cass. C'était quelle année, ça? Yo, shout-out to Cass, Jean-François Cass, what up? Cass était dans ma classe. 13 Deep Brackets, 13 Deep Brackets. Yo, SP, don't look over there, bro. Look over there. Yo, 13 Deep Brackets, les caméras sont là. I'm looking at the juge. Cass était dans ma classe en 4e. Bro, moi puis lui, meant to be. Yo, checkez mon bras. Yeah. C'est pas des jokes, c'est for life. Okay. I'm a dad with that. Non, 4e année avec okay. Cass. Okay, on a été dans des danses ensemble. OK, aye. Parfait, guys. Lui, je le vois à 16. Un moment donné, Joe BG, mon premier groupe de hip-hop, c'était avec Shit, Joe rest BG. In peace, Joe BG, man. C'était avec Joe BG puis un gars de la Guadeloupe. Jonathan, un moment donné, Jonathan il a tourné dans son pays. Man. Puis Joe, il était comme moi. 1980-2007, man. Rest Joe in peace, Joe okay. BG, man. One love. Là, c'est ça qui s'est passé. Là, un moment donné, Joe BG, après, je sais plus où il était rendu. Où. Je pense que c'est après... Shot Roughneck, Marc-André et all yo, that. Roughneck, what après up, ça, man? Je pense Buzzy Boy, what up? Il a approché SP. Chubby, dit, what up? Je pense qu'on fait très. I see you. Après, il a embarqué avec SP. Moi, je connaissais SP. Magis, what up, yo, I see viens you, man. On a besoin de toi, DJ. On a besoin de toi. Puis là, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé. Il a donné son album. Puis il n'était pas sûr qu'il était correct. Lui, il a dit, t'inquiète, we good to go. Yo, man, ça, c'est continue même. On ne va jamais minutes. Finir, man. Yo, continue c'est les ça. Années. Hey, DJ, il faut couper l'émission. Faut vraiment, vraiment j'aille aux toilettes. Fait qu'Espie, on fait ça à tout le monde. On les met sur le spot. On les met sur le spot. Attends un minute. On a besoin timer, de Nicole. Elle va mettre le timer. 60 screen. Secondes. Shout out. C'est un 60 secondes de shout out. Je peux dire qu'il n'oublie pas sa famille, qu'il n'oublie pas sa... Yo, shout to Roxy, by the way. She got yo. A big company. Il va tout dire sa famille. Il ne va pas oublier personne. And 3, 2, 1. Yo, shout out à ma fille, Keisha. Shout out à ma fille,
Jalia, shout out to mon boy Andy Kadima, shout out to mon boy DJ Crowd, shout out to J7, shout out to Como, shout out to John, you know, shout out to Cracklin, shout out to Spike Williams, Vein Flow, shout out to Tonton, shout out to fucking, yo, shout out to what's his name, man, Ray Ray, shout out, shout out, shout out to my big brother, man, Misery, shout out to my other brother, shout out to my mom, shout out to my dad, shout out to HHQC, shout out to Journal de Montréal, shout out to everybody, shout out to Annie Soleil Proto, gros love. Shout out Annie, my sister. Annie Soleil Proto, gros love. Shout out, yo, shout out. Yo, shout out who else? Shout out Soca. Shout out Spotify. Shout out Adisk. Shout out Sirius. Rouge FM. Shout out Rouge FM. Shout out C'est quoi? Shout out HHQC à cette date. Yo, shout out Journal du Hip Hop. Shout out la fin du rap. Shout out. Shout out to what? Yo, what's the name? Shout out to la Sodec, shout out to Musique Action, shout out to Musique Action, artiste. Yo, shout out to mon boy Racine, shout out to mon boy. Yo, keep going. Shout out. Keep going, man. C'est toi. Yo, fait que tu sais, depuis tantôt, tu nous parles, t'es un gars de show, t'aimes faire des gros shows, t'es un gars de stage. Là, ça fait un an et demi. Tu sais, puis t'es un gars hyper actif, puis tout. Comment tu deals avec ça? T'as-tu fait des shows virtuels? T'as-tu fait ces affaires-là? Non, mais il a fait des private shows. Let me tell you that, because I know. Mais non, j'ai pas fait beaucoup de shows. Mais il y a beaucoup d'artistes à qui j'ai parlé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé l'expérience du show virtuel. Moi, j'aime pas les shows virtuels. Zéro. C'est bizarre, hein? Mais t'as fait comme s'il y avait du monde, parce que moi, je l'ai checké personnellement. Ouais, là, c'est un autre vibe, puis non. Un show virtuel, ça sera jamais un vrai show. Je dis pas que j'ai détesté mon expérience parce que je suis content d'avoir at least I could serve my public. My public want to see me. So, ben ouais, c'est comme un peu ton travail. Ça fait partie de ton travail. Ça fait partie de ça. Fait. Mais non, un show live, c'est un vrai show live. Puis là, je m'en vais à Natashquan. Il y a la tournée des Premières Nations. Je suis en train de faire la tournée des Premières Nations. On va faire tout le tour de l'Amérique, tout le tour du Québec. Yo, je parle... Les Premières Nations, c'est toute l'Amérique au complet. Nous, on s'en va aux États-Unis. On s'en va, on fait le tour du Québec. On s'en va au Pôle Nord, man. Arrête, okay? Bon, comment ça? Yo, je m'en fais un show au Pôle Nord. KM Production au Pôle Nord. Ben oui. T'inquiète, il y a du monde qui dit que... SP, stop plein. Non, je m'en vais faire un show chez le Père Noël. Je suis booké. Le Père Noël, il a booké un show chez eux. Quand une production au départ. C'est quoi? Stop playing, man. SP, là, il voit Joy pis tout ça, là, c'est comme... That was way, way, way... Yo, regarde-moi. Il a toujours eu cette passion-là. Yo, J7, je suis sérieux. Je m'en fais un show au Pôle Nord. C'est malade, ça. C'est ça qui se passe. Bon, moi, c'est là crois, qu'on est rendu. Même pas dans tes business. Moi, c'est ça qui s'est rendu. Bon, on a fait le tour. Moi puis toi seulement, avant le début, avant le après, on a fait le tour du Québec 5 fois. Okay. Natashquan, Val-Alain, c'est où ce qu'on a été? Val-Alain, dans man. Le resto. Val-Alain. La barmaid à la rive a dit, tu viens ici, on suicide. J7, est-ce non, que t'es déjà été à Val-Alain? It's DJ Crowd. It's Big King. It's Frère de Feu. Chante à Nicole. T'as déjà été à Val-Alain? Non, je suis jamais allé à Val-Alain. Val-Alain, man. OK. Mégantique. Mégantique. On rentre au resto. Lac Mégantique. Tout man. Le monde veut se suicider. So, tu te rappelles ça, on a fait le show dans une église, puis il pleuvait. Ça? Tout le monde veut se suicider. Non, on est arrivé dans le resto. C'est la madame du restaurant qui nous a dit ça. We never cab, this is DJ Crowd Mixing. C'est pas lui, c'est la femme du resto. Du resto, elle dit, tout le monde se suicide, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de place, on s'en va faire un show dans une église. Il y a des problèmes avec la toiture. On rap, même comme là, il était là, il me semble, il pleut sur nous. OK. Vous avez quand même fait le show? C'est fucking SP, sans pression, come on. Ok. C'est fucking 13 deep, c'est fucking hostile management, c'est qui aime. C'est dope, man. C'est fucking no cap. Mais j'aime toutes ces expériences-là. Puis le monde ne sait pas, mais il y a des bijoux au Québec, hein. There's places. Ben ouais. Il y a des places. Ok, si je te dis SP, il faut que tu déménages à une autre ville que Montréal. Puis là, on parle pas Laval. Right now, Québec. Right now. On parle pas les grandes villes. Là. Où est-ce que tu irais? Là, right now, là. Ouais. À cause que ça fait pas longtemps, j'irai à Baie-Saint-Paul right now. À Baie-Saint-Paul? Ouais. OK. Shout-out à tout le monde de Baie-Saint-Paul. Shout-out à everybody from Baie-Saint-Paul. S'il fallait j'aille quelque part, right now, s'il fallait j'aille quelque part, ça serait fucking Baie-Saint-Paul, man. Ah, c'est quoi tu dis? Il est tombé en amour. For real, man. Bro, il était là, il est tombé en amour, puis si lui aime ça, moi j'aime ça, parce que qu'est-ce qu'il aime? For real, yo, crowd, on va pogner un chalet à Baie-Saint-Paul, on va aller dans le bois où est-ce qu'il y a des ours. We already got the money, man. On va marcher 3 heures. Six-figure wigger.
avec une hache, okay, une carabine, mais you, moi, toi, film that shit. Non, moi, je suis gros, moi, je suis gros, j'ai pas de hache, une chain, ça. On marche 3 heures dans le bois, tu vois les... Tu vois les traces d'ours. J'ai besoin de mon Wi-Fi, bro. Non Wi-Fi. Tu vois les pattes d'ours, là. Tu vois les you pattes know, d'ours. You know they're there. Yo, cheers. Non, 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 merci. C'est bro, correct. SP, cheers to you, man. You know they're there. OK, toi, bro. T'es un nature boy, Ric Flair. Yeah, mais, au moins, là, tu sens le realness. Bro, tu sais quoi? Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Love, cheers to you, man. You've been in the game for salut a long... Salut, tout ce que t'as fait no, pour le rap québécois. Yo, he's ça, been in the real game for a long day. Et pour tout le monde this guy is humble. This yo, fucking tout major. Tout le monde qui regarde, fucking il faut vraiment mettre du respect sur le nom d'SP, man, pour toutes les années toujours qu'il a mis dans le game. Toujours. Yo, Seven, c'est quoi le numéro de la prise? Yo, bro, t'as-tu déjà fini toute la sac? Ça. Si je te dirais la meilleure c'est expérience, la plus fun que t'as faite. Bon, il peut pas savoir, Chris. On a tellement fait de shows, juste moi avec lui, The avant reason, lui, après. Tu peux pas en nommer un? Trop buzzé. Ben, pas bro, vraiment. Trop de shows, bro. 5 fois le pas tour vraiment, du Québec. Hein. Val-Alain, Nouveau-Brunswick, fucking Lode, fucking Lode, c'est dur, Québec, c'est dur de penser fucking à un show. Sept-Îles, Jonquière, Chicoutimi, ça, la poutine à Pauline. Parce bro, que non, tu serais peut-être surpris, man. Ça serait peut-être un show, là, comme que... Les petits pots, les bons ongans. Pour vrai, si tu me dis right now, le meilleur show que j'ai fait, que je me rappelle dans les... Pour là, right now, là. Ouais. Ça va être à Manawan. Il n'y avait pas de sound system. C'était juste moi. Il n'y avait pas de speaker, rien. Hein? Il y avait un gars qui jouait de la guitare. Puis moi, je rappais. Puis tout le monde était là. Puis c'était ma voix, la guitare, puis le silence de la forêt. T'entendais juste la guitare, puis ma voix. Wow. No sound system. Il y avait 0 watt. C'était juste moi, avec une foule comme ça. Puis le son de la guitare, puis ma voix, man. C'est spécial, ça. And that, devant une église, man. Oublie Francophonie, oublie Oshiaga, oublie Nuit d'Afrique, oublie tous tes festivals d'été de Québec, oublie tout ça. OK? Attends, moi j'en okay ai. OK, j'en ai un pour toi. Je pense que c'est pour ça que le monde il t'aime, SP, man. Because you come from the heart, man. Ouais, like, mais attends, j'en ai un pour toi. It's all about the music and bro, the heart. Écoute ça. T'inquiète. Vas-y. Attends, moi, SP. Il m'a dit une connerie. Moi, vas-y. SP. Vas-y. Non, non, c'est pas de connerie. Vas-y. Moi, SP, Cass, sa femme at the time. Comme là, je sais pas s'il était avec nous. À un moment donné, on voit Corneille, on voit là. Moi, on est à la disque. On est là, maquillé, les affaires. Moi, SP. Et moi, SP, Éric Lapointe. Moi, c'est quoi lui qui manque un bras? C'est quoi son nom à lui? Rappelle-moi. Deschamps? Martin Deschamps. Martin okay Deschamps. Moi, SP, Martin Deschamps, Éric Lapointe. Wow. Attends une minute. It's fucking major one. OK. OK. Je rentre en ascenseur c'est ces quatre-là. Puis, le pire, c'est quand on a fini notre show, on est assis en arrière de Céline Dion puis René. Ça arrive d'être ma Céline, je suis pas René Angélil. Damn. Yo, pour vrai, yo, gros shout-out à Céline Dion. Shout-out à Céline, man. Moi, y a pas aucun Charlemagne artiste gang qui va me choquer. Charlemagne, gang. Bring Jay-Z, bring who the fuck you tout want monde in front était of là me. I ain't impressed, man. But Céline Dion... Bro, Céline était arrivée avec des doormen backstage pendant que moi puis lui, yo, on parle avec France d'Amour. Boum, j'ai des Jardins. Shout out à mon boy Ruben. Tout le monde était là. Shout out à Céline Dion parce que pour vrai, different c'est une des shit premières artistes qui m'a fait sentir que, OK, this is a diva. You know ben what ouais, I'm saying? She's a... Quand elle se lève debout, quelque part, elle. Là. Quand elle fait juste se lever debout, man. Let them know, OK. When she gets up, man. Il y a une femme qui part dans ses cheveux. Bro, c'est malade. Faire une interview avec son ami de sang. Marche top 5 dead or alive. She's floating. Elle float, bro. Talk on the mic. Bro, elle est arrivée d'un suburb. Talk on the mic. Elle est arrivée d'un suburban. Bro, écoute ça. Écoute est-ce ça. She's floating. René Angélil, I love this dude. Ben ouais, triple OG. Bro. Yo, j'espère être comme René Angélil plus tard. J'espère que... I'm black René Angélil. Dans 5 ans, là, je suis black René Angélil du Québec. Let him know, je vous avertis, man. Okay. Bro, c'est une vision, elle flotte. J'adore. Elle marche pas, bro, elle marche pas elle flotte dans l'air, man. Okay. Toutes les vedettes sont là, OK? On est au Centre Bell. Céline Dion, elle flotte dans elle l'air. Elle arrive avec des sécurités elle marche pas, elle flotte parmi des vedettes. Tu me niaises, toi?
Toutes les vedettes sont là. Tout le monde est là. Oublie! Tout le... Marie-Mé. Oublie! Tout le monde est là, bro. Ouais. Puis je vois même des gars avec des 5 fiches. Ouais, comme... ouais, c'est pas la même chose, là, bro. C'est pas grave. Parce que tout le monde est des vedettes. I'm just saying. Elle arrive avec des bodyguards. Lui, avec... On était là, puis on fumait une cigarette avec les lunettes. C'est quoi son nom, déjà, là? Plamondon. Plamondon. Wow, I went to Plamondon. J'ai apporté un napalm de SP. Tout le monde était tellement choqué de lui que personne n'y allait. J'étais avec la SP. Mon DJ Crowd, il était allé straight. Yeah, yeah, major way, man. It's major way. It's Luc Plamondon. It's SP. It's DJ Crowd. Qu'est-ce que t'as dit à Luc Plamondon quand bro, on walk up? Bro, j'ai donné l'album des mains. Il a dit, ah, merci beaucoup. Et beaucoup de gens, ils me voient. Ils sont... Ils veulent pas venir me voir, j'ai mes lunettes. Et toi, je respecte ton courant. Je dis, hey, moi puis toi, on est comme frères et sœurs, ma dog. Comment que je veux dire? Yo, cette soirée-là, il y avait Imposte, il y avait Nassim. On est... Yo, bro, cette soirée-là, à un moment donné, je me retourne, il y a Boum Desjardins, il y a Dan Bigra. Hey, moi, il avait coupé ses cheveux. Moi, soir, je fais en tabarnak. Ah ouais? Bro, avec 5 bitches, là. Bigra, t'inquiète, man. Il voulait me donner son juice. J'ai dit, t'inquiète, I'm married, I'm fuck the same pussy. Yeah, man. Gros love. Mais bro, c'était une... Yo, shout okay. Shout là, tout le monde. Shout donner... to Marie-Mé. Faut vous donner des celebrities, des Québécois celebrities. Yo, Marie-Mé a venu au area, puis elle était là avec DJ Crowd. Crazy type of shit, okay, man. Sainte-Catherine Logement, okay. See you back in the day. We used to Fergie, elle allait pas. Ah, Fergie, non, Fergie, that's different type of shit. J'ai vu les photos de DJ Crowd, toi, puis Fergie, vous êtes un peu proche. Elle voulait pas des groupies, elle dit Crowd, parce que j'ai DJ pour elle, en tout cas, back in the day. Whatever, on a fini là, whatever what, comme Kevin whatever what. Puis c'est ça, man. Allez me checker, allez okay, me rachetez-moi sur Instagram. Si je te demande à toi, c'est qui comme la célébrité québécoise avec qui comme te connecte ou qui est vraiment chill, t'as rencontré une fois, qui t'étais surpris, quelque chose qui t'a marqué, là, quelqu'un que on saurait pas que t'as rencontré. C'est quoi? Éric Lapointe, man. Ouais. Ah ouais, hein? Bro, attends, une autre anecdote. Je sais que t'as fait une chanson avec lui. Ben ouais. Oui, l'autre est comme un gun remix. Comment ça? Éric Lapointe, c'est ma G, man. Je m'en fous. C'est-tu que encore your G till today? Comme t'es-tu en contact avec mais lui aujourd'hui? Tu vois comment l'industrie l'ont effacé, man. Ils l'ont fait disparaître. Facts. Mais moi, Éric Lapointe, c'est ma G, man. Je m'en fous. Yo, mais il est sur une émission, non? Bro, je veux pas couper rien, la là. La voix? Ouais, non, like il est that. Plus sur la non, voix. Non, il est plus parce sur la voix. Okay, mais Éric Lapointe, c'est ma G. Yo, excusez-moi, je suis déconnecté un peu. Mais Éric Lapointe, c'est ma G. Attends. Okay. Un des artistes les plus vrais que j'ai jamais connu de ma carrière. Ouais, 9h30 nice. Du matin, on s'en va faire une pratique pour la 10, justement. On arrive avec Éric Lapointe. On a goût de fumer un buzz. On fume un buzz. Moi, PSP, côté sombre de Montréal, Hostile Management, on all that. Real talk, fact. Check ça, écoute. Fait fumer un buzz. Bro, je laisse parler. Parce que sa mémoire, quand il parle, c'est ses frères dans ma tête. Moi ma mémoire là, est fucked up. Ok, vas-y. Fait que vous êtes où là? On fume un boss dehors, Cass, il commence à noyer. Ah ben là, Cass qui était le gérant d'SP dans ce temps-là. Ouais, ouais, puis moi aussi, puis on s'arrangeait, puis on était ensemble. Là, on commence à fumer, puis tout est chill. Tu bosses, faut faire attention. Là, on rentre en dedans. Moi, je vois Éric Lapointe à l'autre bar. Lui, il dit, moi, je m'allume une smoke. Je dis, attends une minute, on peut-tu fumer en dedans? Mais on voit Éric Lapointe fumer. Qu'est-ce qu'on pense? Non, c'est pas vrai. Avant, on allume la cigarette. Ouais. Quelqu'un vient sur nous, sécurité. Hey, vous voulez pas fumer? C'est ça que. Moi, je vois Éric Lapointe, mais je veux pas le snitch. Ain't no 6ix9ine type of shit. OK, t'es pas un OK. Non, je le vois fumer. Je dis, on écrase en dessous de notre soulier. On l'écrase. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé rejoindre Éric Lapointe. On a rallumé notre cigarette là-bas. Yeah. It was hostile. It was SPDJ Crowd Mixed King. Personne n'est venu nous voir. Chat Éric Lapointe, concours de poule. On s'en rappelle pas en arrière. Yeah. J'adore, man. Gros shout-out à Éric Lapointe. You guys walk up to Éric Lapointe, puis il est bien chill. Yeah. C'est nice, ça. C'est dope. Puis pour les pratiques, on faisait des battes, déjà. Hey Jay, je pense que c'est ben trop fucké pour YouTube, ça. Si tabarnak vont capoter ben raide, attache ta tuque avec la broche. Si faut enlever ça ben raide, faut couper ça. On va se faire bannir. Bon, je t'ai dit, t'as pas d'allure. Non, mais c'est pour ça que SP, il a la réputation qu'il a. Puis c'est pour ça que le monde, il donne des titres comme le parrain. Puis ça, même si c'est pas toi qui te le donne, c'est parce que you've been in the game for a long time. Most humble t'as marqué dude la I've ever game, seen comme in my on l'a life. Dit avec les affaires de Joal, puis le 5-4-5-0. Puis je pense une des choses les plus importantes, c'est que t'as pas arrêté, bro. And jamais. You never stopped.
and that's what, c'est ce qui te sépare de la majorité des gars de ton école originale, c'est que t'as jamais arrêté, mais en même temps, je comprends le doute qui a arrêté. Ben oui, c'est un challenge. Moi, je connais du monde qui ont arrêté, qui sont fucking successful today, man. Ouais. Exactly. The fucking big, they're making way more than font bien plus d'argent que du rap money, là. Ouais. Puis je respecte ça aussi. 100%. Parce que des fois, là, à cause du public, tu te sens comme t'es obligé. Moi, pour vrai, si, gros love à mon public, parce que si c'était pas pour eux, j'aurais arrêté de rapper. Exactly. Combien de fois il m'a dit, j'aurais arrêté de rapper si c'était pas pour mon public, parce que they give me the power, parce que sinon, I know, man, I could do other shit, man. Moi, je suis un gars qui travaillait, tu comprends? Même des fois, j'ai travaillé 6 ans en santé mentale, si. Ouais. Tu comprends, ouais, avec des schizophrènes, puis des psychopathes, puis tout ça, puis j'aimais ça. Tu comprends? Je suis un gars qui a besoin de bouger. Mais comme. C'est non, le mais public. Bro, mais quand que je te dis quelque chose comme que c'est parce que t'as pas arrêté, c'est justement parce que je sais ces raisons-là. J'en ai vu, moi aussi, plein d'artistes qui ont arrêté parce qu'il fallait qu'ils vivent leur vie, il fallait qu'ils continuent, il fallait qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Mais je respecte ce monde-là. Puis on les respecte. Mais doublement, il faut respecter les gars qui ont dit « Yo, moi, je m'en fous. L'argent, pas. Le fame ou pas. Moi, je veux faire moi, ce que j'aime. » Moi, c'est ça, c'est pas l'argent. Attends, non, Seven. Puis bro, attends. T'es, c'est pour ça que t'es devenu un symbole puis un icône du rap au Québec. Puis c'est ça, c'est pas l'argent. Ça, c'est ça, c'est pas l'argent. S'il y a un gars dans toute la ville de Montréal qui veut que tout le monde gagne dans la ville, c'est SP, même avant moi. Tu me vois, moi, je pousse tout le monde. Yo, moi, quand je vois des gars qui font du bruit, que ça soit K-Bands, Enima, Lost, le 514, know, I don't care, Loud, anybody. Yo, it's the city, man. Of I'm course. Five. J'ai de la misère à pas dire Montréal dans une chanson. Yeah, I said it too much. Je l'ai trop dit. Non, mais c'est toi. J'ai rap, j'ai rap l'aile. J'ai, yo, pour vrai, je rap le city dans toutes mes tracks. Puis le monde me dit comme, arrête, man. Bro, fais ce qui est don't, bon. Don't rap the city so much. You gotta get out of Montreal. Mais, yo, je te dis... Yo, à la fin, tu fais ce que tu feels, bro. Yeah. Tu fais exactly. ce que tu feels, bro. C'est ça l'important, like, man. It's important for me to rap the city, man. Montreal. Montreal's the shit, bro. Le Québec, c'est bad, man. Ouais. Je connais plein de Français qui sont venus ici qui voulaient plus repartir, les man. Les Français qui viennent ici, ils veulent pas partir, bro. Ils voient nos femmes, ils capotent, man. Ouais. Donc, les femmes du Québec, c'est les femmes les plus dope au monde, man. Big shout-out à toutes les femmes tu québécoises. Tu niaises, man. Shout-out à toutes les femmes québécoises. 100%. Puis quand je dis québécoise, que tu sois haïtienne, italienne ou espagnole ou grecque ou n'importe quoi, t'es au Québec, t'es québécoise, man. You know what I'm saying? On a les femmes les plus belles au Québec. No Facts. Doubt. How no at your boy? Man. Est-ce que les lunettes, ils me font bien ou je devrais les ôter pour le reste de l'interview? Je sais pas, man. Mais si yo, jamais, ça, tu peux aller checker mon boy. Yo, ça, ces lunettes-là, ils niaissent pas, man. Shout-out à Iso, man. Shout-out à Iso, man. Ça, ça vient d'Iso, man. Ah, OK. Big shout-out à Iso. Le cartel. Yo, we got fucking SP. Fallait que je mentionne Bodo. Sans pression de building. Shout-out à Bodo. Love. Shout-out à Bodo. Et bro, tu sais quoi? Yo, Bodo, lunettes. Yo, shout-out à Bodo. This way, that way. This way, that way. Yo, je me rappelle aller avec SP chez Bodo, lui il arrive paquets en swag, man, comme 8, 10 paires de lunettes chaque, Gucci, some real type of shit, 750. Yo, real talk, bro. Il donne même plus du love comme shit. Ça au gars maintenant, man. Jamais, t'inquiète. Si je te demande, c'est quoi ton message au rap game québécois aujourd'hui en 2021? Let me know, Jay. Au rap game ou aux rappeurs? Au rappeur? À tout le monde qui suit le game, les artistes, les fans, tout le monde qui voit SP comme quand même, tu sais, SP, t'as un nom, t'as un brand respecté. Si c'est pour moi, si tu parles de moi, c'est comme, tout ce que je peux dire, c'est comme, guys, man, il faut que vous compreniez que moi, je me sens comme si c'est mon devoir de faire ça, man. Comme, je me sens pas comme si... Je me sens pas comme si c'était un travail. Le rap. Oui, ça paye mon loyer, ça paye tout ça. Mais je me sens comme... C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici, man. Respect. Attends, un d'applaudissement, s'il te plaît. Come on, man. Personne peut deny ça, ça c'est une chose. Quand ça vient à SP, when it comes to writing, creating, faire de la musique, tout ça, tout le monde qui travaille avec toi, ou tout, même moi, je t'ai déjà vu en action, je sais que ça vient naturel. Bro, at the end of the day, moi, je m'en fous. Je suis pas un tireur, mais I will shoot for my brother right now. Puis for real, j'ai real guy pour with tout a real heart, game, man. Real guy with a real heart, comme man. J'ai zéro hate, man. Je respecte tout ce que le monde y font aujourd'hui. Les jeunes, j'aime ce qu'ils font. Je comprends leur énergie.
Je comprends que les temps ont changé puis le rap a changé. Facts. Puis I feel the energy, man. Cause même que j'écoute du Lil Duke ou n'importe quoi, I feel that shit, man. C'est fire. Le nouveau Lil Duke. Bro, lui, il connaît son rap. Non, mais don't get it twisted. C'est pas un gars qui connaît pas son rap. Je me rappelle quand... Yo, je me rappelle. Rest in peace, quoi son nom? That white dude, man. Dutch. Mac Miller. Oh, Mac Miller. Okay. Yo, we did the show, Big Bill and all that. Yo, Mac Miller. Rest in peace, Mac Miller. Toute ma... Mes kids, tout le monde écoute du Mac Miller. Lui, il m'a fait entendre. T'avais-tu fait une mixtape Mac Miller? Ça? Ouais, on a fait c'était un. C'était quoi le site des mixtapes? That Piff back that in the Piff. Day. Ouais. Mac Miller. Yo, we had a couple million views, man. Yo, Mac Miller. I was talking about a million. That he's dope, man. Ben ouais, crazy R. dope. R. But Mac Miller, tu vois, en tout cas, man. I'm just saying that, like, yo, there's so much shit. T'es down. Basically, tu nous dis que t'es down avec le New School puis tu peux connecter avec le New School. Yeah, mais, je peux connecter. Mais tu veux que le monde y mette leur cœur dans leur musique. J'étais une marche dans le West Island pour l'antiracisme. Yo, je t'ai vu avec Sha Frank. Non, j'étais avec Malik Shahid. Nobody shows up. Like, ce que ouais, je trouve que... Faut pas que t'oublies. Faut que tu penses... Toi, quand t'avais cet âge-là, toi, quand t'avais 22, 23, t'étais pas dans toutes les affaires de marche puis les causes. C'est fait vrai. Je comprends ce que tu dis. Je suis rendu un vétéran, fait que j'assume. Puis t'es là, maintenant. Non. Puis t'es là, doing it, je le fais pour eux, dans le puis il faut que tu le fasses. Puis il faut que tu fasses ce que tu fais. Je le fais pour leur montrer là. Que les pop, non, I'm saying, on je vais parler avec des politiciens. Je parlais avec des politiciens puis du monde. Trop c'est sérieux, ça, je veux dire. Tu sais, tu peux pas t'attendre que le nouveau rapper sur le lean, il est comme, yo, je vais aller à la marche. Il est pas rendu là en sa vie. Je comprends. Puis c'est vrai. Mais, t'as raison. Mais je trouve ça dope. Je trouve ça dope que tu I'll do même... it for them. Exactly. Yo, SP, c'est quoi que t'as? As-tu des projets qui s'en viennent bientôt? Qu'est-ce que t'as qui yo, s'en vient vrai, en 2021? En ce moment, là, c'est la fin du coronavirus. Ouais, espérons que c'est fini. Non, c'est fini, là. Fuck that. Moi, je vous le dis, c'est fini. Ah, OK, c'est fini. I like that energy. Il va peut-être avoir d'autres choses après. Il va avoir un autre virus. COVID-19, ça va être c'est fini. Ça sera le SP virus, man. OK. Là, qu'on shit, qu'on kill everybody. Puis on fera ce qu'on a à faire là-là. Mais you know what? A lot of shows. OK. I got a lot of projects. Je suis en studio. J'ai des projets. T'es toujours au studio. Je te vois. T'es toujours actif en train de créer. Toujours en studio. En ce moment, c'est les Premières Nations à tourner de la nature and all of that. I'm on that. J'ai d'autres projets, mais pour vrai, il faut juste rajouter-moi sur Facebook, Instagram, puis vous allez être au courant de tout ce qui se passe. Mais yeah, man, j'arrête pas, tu sais, man. I never stop, je man. Je sais que t'arrêtes pas, man. J'ai besoin de faire ça. C'est comme chaque fois que je fais de quoi de nouveau, c'est comme du carburant. Non, puis c'est dope. Puis je sais que tu fais pas beaucoup d'entrevues, tu t'assois pas souvent comme non, ça. Non, j'aime pas faire des entrevues, je fais pas beaucoup de vidéos non plus. C'est comme je vais laisser le temps. C'est le nouveau game aujourd'hui, je laisse le monde faire leurs vidéos puis ils me flasher tout ce qu'ils ont à flasher pour montrer qu'ils sont hot. À vous, respect à tous ceux qui font comme 30 vidéos par clip par année, puis ils font deux shows par année, puis 30 clips par année. Yo, shout out to all y'all. Shout out to everybody, man. I love them videos, man. Them videos is dope, man. Le pic, c'est... Yo, je regarde les jujubes, ouais, man. Depuis tantôt, tu parles aux jujubes, je sais pas pourquoi, mais... Arrête, toi. Arrête, Nicole, man. Et c'était à ce moment-là qu'il réalise... qu'il était fucking... torcher les vêtements et sans pression. Get yo, il a chill out, friend! Yeah, chill out. No! Oh, shit! Yo, get, man. Yo, pour vrai, là, mes yeux sont-ils rouges? Oui. Yo, mes yeux sont-ils rouges? Ça, c'est épique. Écoute, c'est le retour du temps de jujube. C'est le premier épisode. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. La première épisode bon, du temps de on jujube. On fait ça pour shout évoluer la scène hip-hop. Merci Adamo. Shout my cousin Adamo, man. Prosciutto gang. Oh. We in a building. On fait ça pour supporter le rap québécois. On fait pas des milliards avec ça. I don't give a fuck. Ma part, ils ont soif. Yo. Moi et J7, on est là pour supporter le rap game. Much love. Le temps d'un jujube, attends-toi I'm pas que ça bro. Soit naturel, normal. I'm sweating, bro. I'm sweating, veux-tu bro. Être sur YouTube? Attends, tu veux-tu être non, sur I'm YouTube? Sweating, bro. For real, I'm puis sweating. Écouter quelque chose qui non, est fucking vrai, plate. Yo, je sais vrai, pas dans quoi je me sens embarqué. Non, pour vrai. Je sais pas dans quoi je me sens embarqué. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Yo, yo J7, check. Mais on va essayer de continuer. Yo, check, je suis, man. On va essayer de faire des épisodes.
On va essayer de servir des bons vibes et des bons artistes à vous présenter, man. Puis much love à tout le monde qui supporte le mouvement hip-hop québécois. SP, sans pression, merci beaucoup d'être passé, man. Quoi? Non? Non? J7, non, pour vrai, j'ai chaud, man. Il nous reste 7 minutes. Je vais faire un outro encore. Hey, merci à tout le monde. Como, salute. Salute à tous les sponsors. Cucina de Papa. C'est votre boy J7. Je suis avec DJ Crowds. SP sans pression. Checkez ses projets. Suivez-le partout. Le temps d'un jugeux. Big up Adamo. We out like that. Much love. Shout out, y'all. Yeah. Non, tu sais, shout out to all of y'all. Fait que, justement. Ok, fait qu'on est pas. Non. Attends une minute. Non, pas encore. Attends, faut que je vous explique de quoi, ok? J7, il me texte, il me dit tabarnak. Toi, t'es fucked up. On est supposé de closer l'entrevue, puis on la close pas. Puis... Moi, je dis tout le temps comme ok, ciao, bon, merci tout le monde. Ouais, il est comme là, mais faut être vrai. Shout out Como, by the way. Cucina de Papa. J7 in the. J7, il regarde son téléphone. Il dit yo, moi, je suis en train d'essayer de canceller des rendez-vous, man. Chaque fois que je pense que je vais venir faire le podcast puis avoir un rendez-vous après, merci, ça marche jamais. Fait qu'il faut que je dise au monde que, yo, oublie ça, je peux pas. Tu comprends? Je suis allé faire un podcast avec DJ Crowd sans pression, puis là, c'est ça. Comment tu peux pas être du love pour SP? Come on. Yo, Tali GG, number one fucking podcast. Yo, man. Much shout-out à Damo, shout-out à tout le monde, non? Shout-out à les Frères du Feu, shout-out à tout le monde, man. DJ Crowd, Major Way, J7. Shout-out, we got that sauce, man. Merci beaucoup d'être passé. Shout-out, ça se passe à fond, man. DJ Crowd, J7, SP, just crazy, man. Hey! Fuck all y'all haters, man. We number one, man. We number one in Montreal, boy. Stop playing with us.